Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Attention, c'est vidéo, c'est tous abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, attention, c'est vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow! Yes! Wouh! Où sommes-nous? Bien entendu, ce Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo, vous pouvez voir et même vous abonner, vous le savez. Aujourd'hui, nous nous lançons dans la suite de ce témoignage très puissant que nous avons tout simplement commencé la semaine dernière. Oui, vous le savez, le lundi et le jeudi, il y a des témoignages très puissants qui viennent sur Nang's Reborn, où des ex-satanistes qui ont plus de 25 ans d'expérience viennent nous raconter tout ce qu'ils ont vécu dans le monde de Satan. Waouh, c'est extraordinaire. Et ce soir, nous allons encore découvrir des choses extraordinaires. Si vous avez regardé le titre, vous savez qu'est-ce que c'est que la prison des sorciers, quelles sont les conséquences de la prison des sorciers, qu'est-ce qui se cache même derrière toutes ces choses. Vous en saurez plus dans cette vidéo. Nous vous demandons tout de suite de commencer à prier. Dites, Seigneur Jésus, donne-nous ta force, protège-nous, garde-nous contre toutes les attaques des forces du monde des ténèbres. Et que toi-même, tu nous guides, tu nous donnes ta connaissance ce soir afin de nous délivrer. Amen. Maintenant, nous allons tout simplement aller au studio et réagir face à ce témoignage de ce texte sataniste. Ça va être chaud. Alors, suivez-nous. Let's go. Waouh! Là, nous sommes au studio. Nous allons réagir face à ce témoignage. Soyez prêts, ça va être chaud. Vous pouvez également réagir grâce à vos j'aime ou encore vos commentaires en dessous de cette vidéo. Alors, c'est parti. Écoutons-le bien et découvrons ce qu'il va dire ce soir. Ça va être vraiment extraordinaire. C'est parti. Nang's Reborn. Nabariki Mungu et Tumangari Bialeo. Nous remercions notre Dieu ce soir. Kwa sababu ni Mungu mzima. Parce que c'est un Dieu vivant. Najua kulala na kulamuka iko zoezi ni neema yake Bwana. Je sais que dormir et se réveiller ce n'est pas une habitude, ce n'est que sa grâce. Malgré mvula lakini mafundisho yetu kunaendelea. Bien qu'il y a la pluie, nous allons continuer à enseigner. Tunajua mvula ni baraka. Nous savons que la pluie c'est une bénédiction. Ni wakati yao hatuwezi kuyampesha. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber parce que c'est son temps. Lakini nashitu kunaendelea na kazi ya Bwana. Nous essayons de continuer avec l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre thème. Comment est-ce que nous pouvons quitter dans la prison de la sorcellerie? Amen. Amen. Les sous-thèmes que nous avons ce soir, de la prison à la vraie liberté. De la prison à la vraie liberté. Amen. Amen. De la prison à la vraie liberté. De la prison à la vraie liberté. Maintenant, j'aimerais que nous puissions savoir qui est prisonnier. Selon moi, Paul, Selon moi, Paul, j'ai dit qu'il y a trois dimensions de prisonniers. Prisonnier wa kwanza. Le premier prisonnier. Minasemaka ni roi. C'est le roi. Le roi aussi c'est un prisonnier. Kama unaenda kumpango yake utakuta kuna chunga ba militaire. Si tu vas chez lui, tu trouveras qu'il y a des militaires qui sont en train de garder sa maison. Mais kama unaenda tena ku prison, si tu vas aussi à la prison, utakuta ba militaire beko na chunga. Tu vas encore trouver les militaires qui gardent la prison. Kama roi anatoka ba militaire banamfuata katashi baite bataka bataanza kumfuata tu. Si le roi quitte sa maison, les militaires sont toujours derrière lui, même s'il les avait pas appelés, ils seront toujours derrière lui. Ataka mana bakimbia batamfuata par force. Même si qu'ils sortaient en cachette, ils vont toujours les suivre. Ça veut dire lui aussi c'est un prisonnier.
Kuku mambo ingine anawezi kufanya ingine yako naongopa kufuatana na vile yako chef. Il y a d'autres choses qu'il peut faire, il y a d'autres qu'il peut pas faire parce qu'il est chef. Manaki yako na mipaka, bana mwekea na mipaka mu maisha yake. C'est-à-dire il a des limites dans sa vie. Anawezi kushikia amu ya kwenda zunguluke saba watu wote ingie mu mansoko, lakini kama nenda atakuwa nture paka na ba militaire. Il peut aussi avoir envie d'aller se promener, d'aller voir comment est-ce que le marché évolue, mais pour y aller il faut qu'il y ait toujours des militaires qui l'accompagnent. Alors ule na yetu namuitaka sema ni prisonnier. Celui-là on l'appelle aussi prisonnier. Ule kwa mu prison, celui qui est dans la prison, kama nataka kutoka kwenda ta fashi utona militaire kwa namufuata mu mkongo. S'il veut quitter pour aller quelque part, il a toujours un militaire derrière lui. Donc hauna libre, tu n'es pas libre. Watatu, et le troisième prisonnier watatu ni malade. C'est un malade qui est le troisième prisonnier. Prison yake ni hôpital. Sa prison c'est à l'hôpital. Aina ya ripenda kuingia amo. Ce n'est pas lui qui avait voulu entrer dans l'hôpital. Mais maladie njo ili mwimpose ile prison. C'est la maladie qui lui a imposé cette prison. Anangalia leo ni dimanche ni sikuwa na imbaga na faka bintu biote me roi na penda lakini mwili na katala. Il peut regarder en disant qu'aujourd'hui c'est dimanche, je suis un musicien à l'église, il a la volonté de faire mais peut pas faire ça parce que il est dans une prison qui est l'hôpital. Unaona anaanza na kuria. Et tu verras le malade même en train roi de pleurer. Roi akwende kona me mwili na katala. Il a l'esprit d'aller à l'église mais le corps ne lui permet pas d'aller. Donc maladie na mwingisha mubuloko ile ya kutaki. C'est la maladie qui l'a fait entrer dans une prison que lui-même ne voulait pas. Sasa kuna kwa prison ya mwisho na ya mubaya kuma prison yote. Il y a la dernière et la plus mauvaise prison de toutes les prisons. Ni prison ya mubulozi. C'est la prison de la sorcellerie. Église kama banakufunga mubulozi, si on t'enferme dans la sorcellerie. Manake mambo yote utafanyako kuchini ya jua iku kontrole na diable kupitia ba sorcier. C'est-à-dire tout ce que tu feras ici sur la terre sera contrôlé par le prince ou le sorcier, et c'est le diable qui contrôle cette vie. Amen. Amen. Tamipatia mfano moya mutaelewa mzuri. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Muntu kama iko mubuloko. Quelqu'un s'il est dans la prison. Anikalaka paka wa masusi. Il a toujours des soucis. Utona mwingine anatangulia kufwa. Et quelqu'un peut mourir même en avance. Mubuloko tu mule mubuloko. Parce qu'il est seulement dans la prison. Nakumbuka wakati mwa nilendaka kukini, mimi naenda kuvisiter mu makala nakuta muntu. Un jour à Kin, je suis allé visiter leur grande prison. J'ai trouvé quelqu'un que je connaissais. Alors quand ils sont arrivés là-bas, j'ai même commencé à pleurer. Ils mangeaient très bien. Famille a franga sana. Et dans sa famille il y avait beaucoup d'argent. Mais vila kwa prisonnier. Comme il était un prisonnier. Anakosa liberté. Il a manqué la liberté. Kama naona muntu leko huru anaanza kulia. Au moment où il pouvait voir quelqu'un qui est libre, il ne faisait que pleurer. Na angalia na uso yake nesa kubadilika na fasa anazeka. J'ai regardé même son visage, il était comme devenu vieux. Mais leo shebenye bantu ba mudunia. Aujourd'hui nous qui sommes dans le monde. Na ba Christu bengine. Et d'autres chrétiens. Baningishaka batoto mu prison sans le savoir. Ils amènent leurs enfants dans les prisons sans le savoir. Munjia kani. Donc sur quelle voie? Tapenda ba mama fuateko sana. J'aimerais que les mamans me suivent très bien. Ile njia haiko ba papa njo banapelekaka batoto mu prison lakini ni ba mama. Et la voie là-bas ce n'est pas les parents, les papas qui l'utilisent, mais ce sont les mamans. Munjia kani. C'est quelle voie? Mama tazala be zuri. Une maman peut avoir un enfant. Arifana 9 mois muntumbu. Et elle a fait 9 mois avec l'enfant dans le dos de son ventre. Elle priait beaucoup. Mungu nisaidie. Dieu aide-moi. Mungu nishindie. Protège-moi. Ibya kweli anazala mzuri. C'est vrai qu'il aura son enfant. Après quelques jours, kisha mashiku kidoko, Shetani anakuwa kumuvisiter. Le diable vient visiter la femme. Non, unaona mtoto ashikalake hivi banabeba kakikomo kama banakalanga banamuvuika sana juu ya mamalari ya mubaya. On vient dire à la maman que l'enfant ne doit pas évoluer comme ça, il ne croit pas très bien. On prend un bracelet qu'on va donner à l'enfant. Wakati ulitoka kwa maternité uliingia naye kwa église unamupresenter kwa Mungu. Ile saba naombaka ni maombi mone kalaka ya mafa manake mutoto anakuwa mukuta ya uwezo ya Mungu. Au moment où tu as quitté avec l'enfant la maternité, tu viens avec à l'église. Quand on prie pour l'enfant, c'est une protection qu'on est en train de donner à l'enfant. L'enfant est sous la direction de Dieu. Baka munye mama yake, toujours la maman, anamutosha tena kutukufu wa Mungu anaenda kumupeleka kwa shetani. Elle va faire sortir l'enfant dans la gloire de Dieu pour l'amener dans la gloire du diable. Bana kalanga kakikomo mukiungu wa kisenji. C'est comme ça qu'on va griller le bracelet là-bas dans une petite casserole. Bana muvuika ule mutoto na tumuchanga tuingine
Et on va donner ça à l'enfant pour éviter que les maladies sorcelleriques puissent l'attraper. Directement, les sorciers vont contrôler la vie à l'enfant. Automatiquement, les sorciers vont commencer à contrôler la vie de cet enfant. Parce que les choses qu'ils ont fait ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde des ténèbres. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, et beaucoup ont déjà fait ça. Si tu as déjà fait cela, je vais te demander demain, quand le serviteur va commencer à recevoir, viens te confesser. Frère, qu'est-ce qui te fait rire? Amen. Amen. Jia ingine. Une autre voix. Mama nawezi kuwa na mimba. La maman peut être enceinte. Anazala bébé. Elle peut même avoir son bébé. Mais après 6 mois, anajikuta tena kuna mimba ingine. Après 6 mois, elle se retrouve encore enceinte. Pale sasa panikalaka ni buloji. Là, c'est la sorcellerie. Ni mama anapeleka mtoto ku buloji bila yeye kujua. C'est la maman qui a donné son enfant dans la sorcellerie sans pour autant le savoir. Bantu batamufuata sema unaona huyu bébé ataribika, il faut kumfunga. Alors tu vois, l'enfant ne saura pas bien grandir, il faut vraiment le protéger. Comment est-ce qu'on est en train de bloquer cela? Ils vont prendre les ongles de l'enfant. Ils vont prendre une partie de sa couche. Ils vont faire avec ça le mutolo, la corde qu'on met sur le hanche de l'enfant. Et ils vont brûler ses ongles, ils vont mettre ça sur cette corde là-bas. Et la corde sera mise dans le corps de la maman et elle va dormir avec. Et le matin, quand il va se réveiller, elle va mettre ça dans la hanche de son bébé. Et l'enfant va très bien grandir. Il n'aura même pas les bousses. Il sera en bonne santé. Et la maman sera trop joyeuse. Mais atakuwa na matrou de mémoire. Et l'enfant aura des trous de mémoire. Atakuwa normal. Il sera pas normal. Joba toto bale munafaka munamutuma kintu munyumba leta télévision yana kuletea mpao. Ce sont les enfants, quand tu l'envoies dans la maison, amène-moi une télévision, lui t'amène une cuillère. Shetani mkintu kyota anapendaka kwe na bénéfice. Dans tout ce que le diable est en train de faire, il cherche toujours son bénéfice. Na atakomea paka vile. Et l'enfant va seulement grandir comme ça avec cet état d'esprit. Ya piri, ya tatu plutôt. La troisième dimension, c'est toujours dans le cadre de la protection des enfants. C'est-à-dire quand tu parles de bloquer, tu bloques tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant, ses études, les mariages et tout ce que l'enfant fera. Il est ma principe qu'il tout applique. Parle bien à quoi kumuli yake ni ba demo bananza kumu protéger ou le mutoto. Les principes occultes que tu vas pratiquer sur le corps de l'enfant, en ce moment-là, ce sont les démons qui sont en train de diriger la vie de cet enfant. Banamuekea mipaka mu maisha yake. On est en train de mettre des limites dans la vie de l'enfant. Une autre dimension, la maman peut se retrouver enceinte et avec un bébé. Mais on va lui demander de prendre son sous-vêtement, de mettre ça dans l'eau, dans de l'eau chaude, et commencer à presser sur l'enfant qui est dans le ventre jusqu'à ce qu'elle aura cet enfant là-bas. Donc il a chiku asubuhi kama analamuka anatosha sous vêtements yake anaweka maji ya moto yako na mukamuna ule bébé. Chaque matin quand il se réveille, il prend son sous-vêtement et met dans de l'eau chaude en train de presser sur l'enfant qui est dans le asubuhi tena yako na mukamuna. Et chaque matin c'est ce qu'elle doit faire. Oreko na loka ule mutoto. Et elle est en train d'ensorceler l'enfant. Sasa mukukomea kwake atakuwa ni mutoto wa mangaiko. Alors quand l'enfant va grandir, il sera vraiment dans une vie très compliquée. Anaweza kufikisha hata 25 ans, 30 ans mais unaona lulendego paka natokaka. Vous allez vous rendre compte que l'enfant peut même atteindre l'âge de 50 ans. Mais il va continuer toujours à faire couler la salive. Binanziaka ni kubutoto. Ça commence dès le bas âge. Mais ile mamambo bantu mingi bane neglijaka sana. Et beaucoup de gens négligent ces choses là-bas. Ile bantu banasemaka tunenda kubantu. Kule kubantu il faut kuyua ni nani ule atampacha mtoto wako bintu. Alors les gens disent que nous allons consulter les autres. Avant d'aller consulter ces gens là-bas, tu dois savoir qui est-ce que je dois consulter. D'autres se disent non, celui-là ne fait pas d'incantation. C'est vrai, les plantes sont en train de guérir.
Mais il faut maintenant connaître l'état de la personne qui est en train de faire ses incantations là-bas. Je vais te consoler, tu non, non, na ibibin toana mubaya, apana buloji apa buloji, auta yu asema yu injo buloji, inin a. Buloji kupachia bo muntu ni galaka facile, ailombaki ata minute, ata 5 minutes, ata 2 minutes, ni musaki loko na kuwa na buloji. Mais bakuyu asema kuna buloji ni galaka ngufu. Alors, il va seulement te consoler en te disant que ça ce n'est pas la sorcellerie, ça va juste t'aider. Laissez-moi vous dire une chose, pour donner à quelqu'un la sorcellerie, ce n'est pas difficile. C'est quelque chose qu'on peut faire dans peu de temps et l'homme a la sorcellerie. Mais pour découvrir maintenant que la personne a cette sorcellerie, c'est maintenant là qu'il y a le problème. Amen. Amen. Atua ingine ya munene sana. Une autre dimension qui est un peu plus élevée. Ni mambo ya avortement. Le problème d'avortement. Unajua kuku bantu bana négligeaka sana ile mambo. Il y a des gens qui négligent ce problème. Bale batoto kuna tosha. Les enfants que tu es en train d'avorter. Au moins kama ni mimbe natoka yo yenyewe. À moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même. Ile ni accident. Ça ce n'est qu'un accident. Lakini kama unatosha kama mimba. Si tu ne fais qu'avorter de toi-même. Bale batoto beko quelque part beko na chunga. Ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre. Apo tanibisha mais chunga ukufu utanipa raison. Tu peux même nier ce que je suis en train de dire. Au moins tu vas mourir, tu me donneras raison. Kulufu utanipatiaga raison. Quand tu seras mort, tu vas me donner raison. Bale batoto beko quelque part Mungu ashibapokele. Ces enfants là-bas ils sont quelque part parce que Dieu ne les reçoit jamais. Parce qu'ils ont des signes. Il y a Mijiji. Les signes de racines. De beaucoup de choses. Kuku fashi mwa fulani le mirifika kana kuta bale batoto bego nafanya makelele banasema aba batoto. Shiku muzazi yake atakufwa anakuwa kumkombola huku kisha mtoto ole anakwenda sasa. Il y a quelque part où j'étais allé, j'ai trouvé ces enfants là-bas en train de faire des bruits et on m'avait dit ceci: le jour où sa mère va mourir, c'est comme ça qu'elle viendra libérer l'enfant, l'enfant va partir et la mère va entrer dans la prison. Et puis pale kuna mua eko na regretter na kuregreter anasema non mama ananiu anenda na ile souci eko na chunga shiku tatoka kudunia njoo nendo na mkutanisha. Et quand tu es en train de tuer l'enfant, l'enfant va avec un souci en disant que c'est ma mère qui vient de me tuer. Quand toi tu vas aller là-bas, c'est comme ça que tu vas libérer cet enfant. Mes frères et sœurs, là c'est compliqué. Vous voyez comment le diable trompe les humains. Aïe 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 aïe. L'avortement, c'est quelque chose de vraiment mauvais et la conséquence, il vient de le dire. On va même pas rentrer dans les détails. Ah! Mais ce qui se passe après aussi est vraiment terrible. Donc les enfants avortés là, ils sont quelque part, ils attendent les mamans. Ah! Mais comment allons-nous faire maintenant pour pouvoir sortir de cela ou encore briser ces liens là? Premier élément, vous devez commencer par accepter le vécu de votre vie. Deuxième élément, vous devez confesser devant un vrai homme de Dieu que vous avez avorté. Oui, que vous avez fait tout ce avortement. Afin que le pouvoir de ce lien-là puisse tomber. Sinon, si vous n'êtes pas informé, vous avez encore des enfants là-bas. Ça veut dire que toutes les femmes qui se préparent même à aller faire ce genre de choses, ne le faites pas, je vous en prie. Ne le faites pas. Sinon, vous serez en train de créer votre place même à l'enfer. On peut suivre moi pour savoir plus, mais c'est extraordinaire. Écoutons encore, mais c'est étonnant. Mon parti a kesho tazungumuzia chapitre moya ile nilingiaka chini ya mai kule ku Kyubo village moya iko Murutu Manono. Alors demain nous allons parler sur un chapitre, je vous explique comment j'étais entré en dessous de l'eau dans un village qui se trouve de ce côté. Ile village vanetaka Kyubo peko shit, peko shit. Ce village on l'appelle Kyubo, il y a une chute. Kyubo, Kyubo. Peko mami wa tapali. Il y a une sirène là-bas. Et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirène dans cette eau. Alors quand j'allais là-bas pour rendre visite à cette sirène, c'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Mais alors si tu as de telles photos dans la maison, tu dois les enlever. D'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu et d'autres au diable. Quand est-ce que Dieu avait créé un homme pour le mettre dans l'eau? Les gens les tuent pour l'argent.
Tu prends la sirène en mariage pour l'argent. Tu les mets même dans ta maison, elle est même dans le temps de te donner des enfants. Si tu as des enfants encore dans le monde normal, les enfants que tu as ici et les enfants que tu as eu avec la sirène ne peuvent pas se voir. Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde verront ces enfants là-bas, ils vont mourir. Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider, la sirène. Je connais un grand qui était un commerçant à Lubumbashi. Je ne vais pas les citer. Et si tu entres même dans sa maison, tu vas trouver les photos de la sirène. Et même les magasins qu'il avait dans les centres-villes, il y avait seulement des sirènes. Et même sur toutes ces bars qu'il avait à Lubumbashi, il y avait seulement des sirènes. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas. On était avec lui dans une secte. Dans la maison, il restait, il y avait sa femme et ses enfants. Et à 18h30, il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravia. Alors chaque jour, ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement pour un seul jour. Chaque jour, parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison, parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas, parce qu'il avait une chambre noire. Tous les occultistes ont cette chambre là dans leur maison. Au moins il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral. Amen. Amen. Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer. Alors quand il entre là-bas, il est en train de causer avec les démons. Toi qui es aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre, tu peux fréquenter cette chambre là-bas. Je ne sais pas toi aussi maman, si tu veux un mari qui te demande chaque nuit ou chaque soir d'aller passer nuit à l'hôtel, mais lui reste dormir seul. Avec 7 enfants. Chaque jour, les enfants passaient nuit à l'hôtel. Demain à 7h, ils vont rentrer dans la maison, mais la nuit, passer nuit à l'hôtel. Et la femme avait accepté ça. Et il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel. Alors toi qui es l'ami proche de mon père, qu'est-ce qui se passe à la maison? Parce que à un moment donné, quand nous allons à l'hôtel, toi tu restes à la maison. C'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant. Amen. Amen. L'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père restait faire. Or ni ule esprit le mami wata, joar kwa na mukokota kule garso bila kujua. Or c'est l'esprit de mami wata qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir. Église, apa pa dunia kama auna na Yesu mu maisha. Esprit anaweza kuwa mumaya, anaweza kuwa wapi, anakuwa kukuvisiter bushiko, anaona kukokota utenda njoo ndani yako hauna na kintu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus en toi, l'esprit peut se retrouver dans l'eau et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi. Unaona kama unaamini, si tu crois, hapana mbele kutafuta sa maisha yangu ikoe bien. Ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne. Yua ke pa dunia peko ma demo. Tu dois savoir que sur la terre il y a des démons. Il y a des sorciers. Si tu crois, et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds. Et là, mais tu peux faire tout ce que tu voudras, ça va commencer à évoluer. Même s'ils sont en train de te combattre, ils ne vont pas t'atteindre. Selon Paul, Paul
L'esprit là-bas de Mami Wata, tant que j'ai vécu dans cette histoire là-bas, je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là. La sirène a vraiment un mauvais cœur. Si elle est dans l'eau, elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans cette eau là-bas. Et dans ce village là-bas, c'est quoi que la sirène faisait? Quand les gens sont en train de se laver, de se baigner, elle aussi passait là-bas pour voir. Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça, c'est une blanche qui est en train de passer. Comme on a fait pas le village. Si tu arrives à ce village, et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année, la sirène quitte l'eau. C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver assez tôt là-bas vers 18h. Alors à 18h ou vers 18h30, quand tu es visiteur là-bas, ne t'hasarde pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir. Et la queue qu'elle a, c'est vraiment mystique. Même pendant la journée, et elle peut sortir, se promener, et le soir, elle va encore se rejeter dans l'eau. Comme moi, je prépare mon témoignage. Alors, c'est une autre partie, mais seulement je vous explique, je vais en parler demain. Mais demain, je vais vous dire qui m'avait demandé d'aller voir la sirène. Je suis entré comment dans l'eau et comment est-ce que j'ai quitté l'eau. Alors, quand l'enfant de cet homme là-bas me suivait, je lui ai dit, donne-moi 200 dollars, je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que vous puissiez passer une nuit dans la maison. L'enfant était trop curieux, il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel. Je n'avais pas refusé non plus, lui n'avait pas refusé, il m'a donné l'argent que je lui avais demandé. Alors si vous allez à l'hôtel, quand vous arrivez là-bas à 21h, toi rentre à la maison, je vais ouvrir pour toi la porte. Or, il y a eu quoi pour ma puissance, ya oule sirène, manaka arkwana mu communiquer oule garso aranza kupenda baonane naye pour qu'il amwalabishe. Alors ce n'était que les puissances de la sirène là-bas qui communiquaient avec cet homme là-bas afin que de lui rendre un peu compliqué ou de le rendre insensé. 21h anarudia kunyumba nilimfunguria kamulango aningia mukuzini yabo anafuchama. À 21h, l'enfant est rentré. J'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine. C'est là qu'il s'était caché. Alors, son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirène. Moi, j'étais au salon. Alors j'ai demandé à l'enfant, va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas, tu verras ce que ton père a toujours fait. Alors, l'enfant, comme c'était dans leur maison, il n'avait pas peur, il a ouvert la chambre, il a constaté que son papa était en train de causer avec la sirène et tous les enfants. Au moment où l'enfant avait fermé la porte, quand il m'avait regardé, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête et l'enfant a commencé à chanter. L'enfant avait chanté toute la nuit. Et le lendemain matin, il était déjà devenu fou. Quoi? L'enfant est devenu fou après avoir vu son père en train de causer avec la sirène. Ça veut dire que son père est marié à sa mère. Il a des enfants avec sa mère. En même temps, il est marié avec une femme spirituelle qui est une sirène qui vient le visiter chaque nuit. Dans sa maison, dans sa chambre noire. Waouh, t'es choc! Mais est-ce que vous venez de comprendre? Quand on parle des sirènes, il y a des gens qui pensent que c'est de la blague. Mes frères et sœurs, vous avez vu? Son témoignage est très étonnant. Waouh! Donc, dès que l'enfant a vu ça, il est devenu fou du coup. Fou! Waouh! Mais what? Que va-t-il se passer après? J'aimerais bien savoir ça. On dit plus le super.
Ile mambo ilikuwa ni secret yangu na baba yake. Hakuna mtu wa familia hata mwari wake ile majimu inatokea wapi. Alors la folie là-bas, c'était un secret entre moi et son père. Une autre personne de la famille ne savait pas d'où est venue cette folie. Lakini ashakufuaka, ule papa mwenye ashakufuaka. Et le papa est déjà mort. Sasa shiwa mule nyumba kama nani alikuwa kumtoshaka ule sirene. Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison. Minta kusi kama unama unatoka mu nyumba unataka kuhamia mui semiembe la vaya kuinstaller bintu naita pasteur wako anaombea ile nyumba. Je vais te supplier, si tu dois déménager, quand tu dois aller dans une autre maison, avant d'y entrer, appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là-bas. Bintu bingine mu nyumba binakatala kutoka ye mwenye bintu yake anama me kile kibuloji kinajama mule sasa bale batasibiri ile conséquence ni bale batamia mule. Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétaires. Le propriétaire de la maison lui peut déménager, mais la puissance reste dans sa maison et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison. C'est pour cela que Dieu avait dit à Josué, le lieu où fera la plante de ton pied, je vais te le donner. Ça veut dire que aussi que quand vous devez déménager, mettez confier tous vos projets là dans les mains de Dieu. Pour que Dieu ne permette pas que vous tombiez dans une maison ou celui-même qui habitait là, faisait de telles pratiques. Parce que si quelqu'un fait de telles pratiques là, adorait la sirène là, quand il va partir, il sera peut-être mort. Sous l'esprit de la sirène sera dans cette maison. Il va se mettre à compliquer la vie de tous ceux qui vont venir habiter là. Il y a des témoins qui vont venir. Vous allez découvrir ça de vous-même. Ça va vraiment vous étonner. On ne sait plus longtemps savoir plus. Ah! C'est pour cela que Dieu avait dit à Josué, le lieu où fera la plante de ton pied, je vais te le donner. Même toi aussi, si tu veux déménager dans une nouvelle maison, il faut prier pour la maison en question. Amen. Amen. Et pour cet enfant là-bas, il est toujours fou. Mais son père est déjà mort. Sasa mina jiuliza kamule munyumba ule sirene bari mutoshaka au bikoje ubye mushakupianaka muntu mwingine ile ni ma question mina jiuliza. Alors ça, ce sont des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on avait enlevé la sirène là-bas ou elle est toujours là-bas? Quelqu'un a déjà pris ce pouvoir. Ile madawa na banamuke bengine banikalaka nayo. Sasa boy abo ni gani ya buzuri. Même ces fétiches, il y a d'autres femmes qui en possèdent, mais pour eux, c'est pour la beauté seulement. Alors, il y a une femme à Lubumbashi, je lui ai fait donner ces fétiches là-bas. Elle mettait une chaîne à sa jambe droite. Munjia banamuke bote batanza kuonekana mwanamke wewe moya. Maana yake ule mami wa teko nafanya incarnation ndani yako utakuwa na beauté moya exagéré. Alors la sirène là-bas, elle s'appelle la sirène de Rosie, la sirène que j'étais allé rencontrer, c'est elle qui m'avait donné ces bracelets là-bas. Ah, cette sirène a même, elle a même un nom. Il l'appelle comment? La sirène de Rosie. Mais c'est incroyable. Donc cette sirène va ici lui donner un bracelet que lui il va amener ce bracelet à qui? À une femme sur la terre ici. Et quand cette femme va porter ce bracelet là, ah là 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 là, elle sera tellement belle aux yeux des humains que vous allez voir. Écoutez s'il vous plaît, écoutons ensemble et découvrons, mais ça va être chaud. Vous voyez que les sirènes et les démons, ils travaillent avec des satanistes et ces choses affectent même des humains. Maintenant vous qui allez voir la femme là, tellement vous serez... Oh non, vous allez voir. Bon, ok, c'est tellement étonnant. Quand vous allez voir la femme, vous serez attiré par elle, vrai ou faux. Elle est belle. Vous qui aimez les femmes sexy ou même les hommes sexy, là, vous serez attiré par elle. Alors que le pouvoir qu'elle a sur elle, là, ça vient du monde des ténèbres. Bon, nous allons entrer en détail dans ce témoignage en supplément parce que là, ça devient vraiment trop chaud. Nous sommes vraiment dans un témoignage très puissant. Wow! Alors la sirène là-bas, elle s'appelle la sirène de Rosie, la sirène que j'étais allé rencontrer. C'est elle qui m'avait donné ces bracelets là-bas. Alors quand je te donne ça et avec une bague de serpent, quand tu marches en cours de route, en toi, c'est la sirène qu'on est en train de voir. C'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire. Ça veut dire que la personne que vous voyez en ce moment-là, ce n'est pas la fille, c'est la sirène. Et cette beauté-là est extraordinaire.
et ça touche tout le monde. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à cette histoire de make-up ici, make-up pas là? Alors cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui. J'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs son état d'âme. Les fétiches c'est très bon quand ça te sert. Lakini yo kama inatomboka ita kulomba yo itaanza kujiservir yo yenyewe atona kimbia paka itakufuata kote kule utende. À un moment donné ça ne va pas commencer à suivre ce que toi tu dis mais ça va commencer à t'exiger des choses même si tu fuis ça va te suivre même là où tu seras parti. Période moi mili choka kama dawa. À un moment j'étais fatigué de vétiche. Jirendaka kukilwa kulak mwero mina tupa sakoshi ya madawa pa mutoni. J'étais allé à Kilwa sur le lac Mwero, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches. Mais 2h du matin barako kunilete ay. À 2h du matin on est venu encore me remettre ces sacs là-bas. On a étopia nini. Pourquoi tu as jeté ça? Kumbe au moins urudie kule ulitoshako kalurishe kule. À moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela. Nyumba yangu inalungula mu Kenya, nyumba inalungula bia mu nyumba byote binalungula mes sakoshi ya malawa ailungule. Ma maison avait pris feu mais tout était brûlé mais sauf les sacs où il y avait les fétiches. Kibambashi kinatosha na mafisiri ya moto mais lakini sakoshi tu sakoshi ya ibambe moto njua malawa ile ilikuwa kama. Sur le mur il y avait même des fissures mais les sacs où il y avait mes fétiches ça n'a même pas touché les feux. Il est tout éon à mon parti, il y a dimanche. Nous allons voir ça dans la partie que nous allons évoquer le dimanche. Lakini leo tunaanza na sehemu ingine. Aujourd'hui nous commençons avec un autre point. Kufuatana na calendrier satanique ya mwile kitabu. En suivant les calendriers sataniques se trouvaient dans ce livre. Ile kitabu ni kya ba Romain. Ce livre c'était pour les Romains. Manake ba Romain beko na bitabu mbiri bia bibaye bile baranjikaka bia mubulozi. Alors les Romains ont deux livres très sataniques qu'ils ont écrit dans la sorcellerie. Kuku kimoya banaita Abermal. Kile beko na tumika nakyo na murozi kwa bariki toshaka mulan 715 après Jésus-Christ. Abermal c'est un livre qu'ils ont inventé l'an 715 après Jésus-Christ. Ils travaillent avec ça. Coran baritoshaka mulan 630. Coran c'est un livre qu'on a inventé dans l'an 630. Amen. Amen. Bandu kumita misaidia hivi. Musulman pana kumita sema frère, ana frère wako. Je vais vous aider en vous disant ceci. Tu ne peux pas appeler un musulman frère, il n'est pas ton frère. Wale banaitaka frère ni mtu ule kuna partager naye maître moya. Njo tamuita sema frère. Un frère c'est quelqu'un avec qui vous partagez un même maître. Bible nasema, la Bible dit ni mu 1 Jean kama ni 22. Je pense que c'est dans 1 Jean 22. Bible nasema, ule ota na mukatala Christu, ni mupinga Christu. Alors tout celui qui n'accepte pas Jésus il est antichrist. Bale banduku ni bapinga Christu. Ce sont des antichrists ces gens là-bas. Yesu bana mukatala. Ils n'acceptent pas Jésus. Bana mukatala sana. Ils n'acceptent pas Jésus. Or Yesu njo njia ya kupeleka mtu ku mbingu ni paka Yesu peke yake. Oh, il y a que Jésus qui peut nous amener vers le ciel, c'est le chemin qui nous amène vers Dieu. Na Yesu njo anatoshaka mtu mu buloji mu malédiction mu bintu kani ni Jésus peke yake. C'est Dieu qui délivre les hommes de la sorcellerie, de la malédiction, il y a que lui qui peut le faire. Mais bo bana mukatala. Eux ils l'ont refusé. Période ile nilikuwa ku primature. Quand j'étais chez le primature. Ku primature ni ku cabinet ya premier ministre, ancien premier ministre. Quand j'étais dans le cabinet de l'ancien premier ministre, nilikuwa garde du corps wake tamo ya hivi. J'étais son garde du corps à un moment donné. Kulikuwa representant wa ile kanisa ba musulman. Il y avait un représentant de l'église de musulmans. Arita kuningishaka mu mapouvoir, pa kuningisha mu église yabo mais anipatie ile mapouvoir yabo. Il voulait me donner ces pouvoirs là-bas, pas que je devienne musulman, mais que j'ai le pouvoir qu'ils avaient. Je suis en train même dans sa maison. Tu ne seras pas content. Makuta, ile kuna kuria, njo yako, juni ya kuyasho yako. L'argent que tu es en train de consommer, c'est ça ton argent, parce que ça vient de ta sueur. Juu makuta ingine, nekalaka ni ya buchafu, et puis ya damu. Il y a une autre catégorie d'argent qui est souillée et plein de sang. Ule nduku mina mutayaka, njo ana Congolais. Je le cite parce que ce n'est pas un Congolais, c'est un Sénégalais. Sidibe. Sidibe, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ane 90-94, njo kwa representant wa ile église musulmane. Ane 90-94, c'était lui le représentant de l'église musulmane. Au Zaïre. Wakati moi anakuwa kuniproposer anasema hivi mimi nataka kurudia ku Sénégal. Mimi napenda nikuache kwa franga. Alors un jour il était venu me voir en disant comme je vais rentrer dans mon pays, je vais un peu te laisser de l'argent. Juni mtu nilipendaka sana kama anakuwa kule ku cabinet ya chef yangu atakuwa na mkontrolaka.
C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Même s'il venait consulter mon chef, je ne le contrôlais même pas. Même s'il y avait quelqu'un, la personne devait quitter pour que lui puisse entrer. Ananiambia utatafuta nkuku wa kisenji unilete tafanya nguvu ni kuachie mari yote ile mimi nikalaka nayo. Il m'avait demandé de chercher une poule et il fera un effort pour me donner tout ce qu'il avait comme richesse. Tunenda kunyumba yake mimi nauza nkuku wa kisenji mu 14h. Il m'avait demandé, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, j'allais chez lui à 14h. Tuko mu salon tuko na sumburia. Nous étions au salon en train de causer. Anatosha kakiungwa kisenji kamoya ananiuletea ananiwekea pa meza anasema beba kisu ujilumize kumkulu yako ya gauche. Ile damu kiloko weka mule mkakiungwa kisenji. Il m'avait demandé, il m'avait amené une petite casserole et l'a mis ça sur la table et il m'a donné un couteau en disant blesse-toi à la jambe gauche et prends un peu du sang que tu dois mettre dans cette casserole là-bas. Vous savez, si quelqu'un dans le monde des ténèbres, il n'a même pas peur. Toi qui n'as jamais touché au fétiche, si on te demande de faire une chose pareille, tu auras peur. J'avais pris le couteau, je me suis un peu blessé, il y a eu un peu de sang, j'ai mis dans cette petite casserole. J'ai même égorgé la poule, j'ai mis son sang toujours dans cette petite casserole. J'étais en train de mettre ce sang là-bas à mes mains. Ce sont des instructions qu'il me donne, j'ai mis ça au visage. Nous sommes maintenant allés entrer dans sa chambre noire. Quand on avait ouvert, il y avait 6 petites maisons là-bas. Anafungula muka kwanza, muku mwanamuke asha kuikala, asha kufa mikono hivi, asha kuoza ingambo, ingambo ni mujima. Alors dans la première maisonnette là-bas, quand il avait ouvert, il y avait une femme qui s'était assise là-bas. Un côté était déjà pourri et l'autre côté ça allait. Asa njo mamangu akunizala huyo. Et c'est ça même ma mère. Tamiri musakrifia kama mwane 81. Je l'avais sacrifié dans l'année 81. Sema hii franga yote mononaka niku nacheza nayo na kile chef yenu ananipenda njo makuta, njo mwenye ananiletea kama makuta. Alors l'argent avec vous me voit en train de m'amuser, même si votre chef même à cause de l'argent, c'est cette femme qui me donne cet argent. Donc pas qu'elle est... Quoi? Il a sacrifié sa femme. Plutôt sa mère pour avoir de l'argent. Et sa mère, elle est décédée il y a très longtemps. Mais il utilise toujours l'esprit de sa maman, là, ou encore l'étoile de sa maman, pour avoir de l'argent. Et tout argent qu'il gagne là, ça vient de ce sacrifice-là. Mais what? Hey, mes frères et sœurs, la maman, acceptez Dieu dans votre vie. Les frères et sœurs, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. De sorte que quand les sorciers décideront, les sorciers de vos familles décideront de faire des sacrifices à Satan, ça ne puisse pas vous atteindre. Dieu va vous garder, vous protéger par son sang précieux, je vous le dis, que Dieu veille sur vous. Où est le danger? Hein? What? On a dit plus l'enfant, ça va plus. Siku Mungu alimkati yaka ikaenea ku dunia yake kufa pale njoo atakufa hapa mbele kuna ni servir. Elle est en train de me servir seulement le jour où Dieu voudra qu'elle puisse mourir, c'est comme ça qu'elle partira. Nilikwambia ke ba sorcier ba wake bana déplacer ka muntu bana mupeleka mu monde mystique ananza kutumika mule miaka yake ikaenea anakufa bataua tena muntu mwingine. Je t'avais dit que les sorciers ne tuent jamais les gens, ils déplacent seulement l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que son temps arrivera et après il va encore déplacer un autre esprit. Église, inita kulamuka sana na prière na yako mwisho ya mwaka kunigalaka mambo mingi ya mubaya. Ça c'est le moment où tu dois beaucoup te réveiller avec la prière parce que à la fin de l'année il y a toujours des mauvais problèmes. Ju kila muntu apeko na préparer sacrifice yake ya kwenda ku ile rencontre banafanyaka ku loja ya le 31 décembre. Tout le monde en ce moment est en train de préparer un sacrifice qui va lui permettre d'aller à loja où il se rencontre pour leur rapport annuel. Ta mi poser question mukanisa. Je vais poser une question dans la salle. Ba loja banatufuatirishaka sana. Les sorciers sont en train de nous imiter beaucoup. Na mukutufuatirisha. Quand ils nous imitent, bobe kona panda sana mu mabuloja. Ils évoluent beaucoup dans la sorcellerie. Le 1er janvier tunafanyaka misa kani? Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait comme messe? C'est la question que je pose. C'est pourquoi la messe là-bas? Pardon? Mina shika réponse ya bien ku ya nini? Action de grâce. Faites misa ya bonane njo kusema nini? Ile ni misa ya shukrani, manake tunamuremercie Mungu kwa vile anatuchunga kadiri ya mwaka yote mzima. C'est un culte d'action de grâce, on est en train de remercier Dieu parce qu'il nous a gardé durant toute l'année. Tunaletaka nini ku kanisa? Qu'est-ce qu'on donne à l'église? Ile offrande ni galaka ni ya nini? On donne l'offrande, c'est pourquoi? Mungu akubariki sana ndugu. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup frère.
Mais dans notre église, on donne même des enveloppes afin que tout le monde puisse amener quelque chose. Les sorciers ont imité ces choses là-bas dans l'église. Et le 31 décembre, tous les sorciers du Congo se retrouvent à Loja. Si il va pas avec quelqu'un de la maison, s'il doit aller avec des gens qui ne sont pas de sa maison, il faut au moins 3 personnes. Ou bien wamunyumba, kama na rate kukua, anaua ta buzazi, soit kaja na labisa, ou bien anaua ta ndoa kizuri enda kapeleke na yo rapport. S'il peut pas te tuer, il peut détruire ton mariage, il peut prendre ta fécondité, il doit prendre quelque chose qui t'appartient pour l'amener de l'autre côté. Il est ni mubaloji. Ça c'est chez les sorciers. Les démons aussi travaillent dans leurs angles. Et aussi mettre des filets sur des routes. Et dans les filets là-bas, ils sont en train de taper les gens. Il doit y avoir un accident à un moment donné. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas. Je me rappelle décembre 91. Je me rappelle l'année de le mois de décembre de l'année 1991. Bona sifiwe. Le Seigneur soit loué. Ile renyo barifanishaka ku pointe noire. Mimi sikwendake ku lodge nilendaka kule ku pointe noire. Mimi kwaka ku animation. Cette réunion s'était passée au pointe noire. Moi j'étais pas à lodge, j'étais allé là-bas pour l'animation. Manake ile renyo diable munyewe ndio ali président. Et cette réunion était présidée par diable lui-même. Tout ce qu'on était en train de dire, moi j'écrivais. Parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre. Église, wakati ya délivrance yangu, barichomaka bintu yangu biote. Pendant ma délivrance, on avait tout brûlé. Mais il est document miri anjikaka. Le document où j'avais écrit cela. Pasteur alikatalaka sema tushichome mbele iko très important, il faut kanisa iwe vile shetani anapreparaka koma kuingia mu église. Alors qu'on ne brûle pas ça parce que c'est très important. Nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour entrer dans l'église. Munifuate. Suivez-moi très bien. J'avais ça en tête. Donc, mambo ya mwile renyon, yote nilibambaka mukicho. Tout ce qui s'était passé dans la réunion, j'avais retenu ça dans la tête. Point ya kwanza. Le premier point. Lucifer alisemaka tusha kukonkerir monde mujima. Lucifer avait dit, on a déjà conquéri tout le monde. Mena tunata kuingia mu ma église. Nous voulons maintenant entrer dans des églises. Ma église kan. Quelles églises? Aritaka ma église ya réveil. Il avait cité les églises de réveil. Jujo ma église na mutenkeshaka. Parce que ce sont les églises qui sont en train de le faire bouger. Unaona njiko napita ku radio. Parce que ça passe à la radio. Juku kuma église ile baritaka sema hii hapana, hii ni yangu hii. On avait cité les églises, faut pas entrer dans telle église. Jujo niliwaka ke kuna makanisa ya shetani maiku pa dunia na bobe kuna omba. Mungu beko na tena na Yesu mais ni kanisa ku dirige na diable mwenyewe. C'est ce jour-là j'avais su qu'il y a des églises dans ce monde qui sont dirigées par le diable et c'est le diable lui-même qui a la tête. Amen. Amen. Na jana nilikonesha kanisa, hapana kuingia mu makanisa yote, kanisa yote haina kanisa. Hier l'église je t'ai dit tu ne dois pas fréquenter n'importe quelle église parce que toute église n'est pas église. Niko na mafundisho monisha kuintitilaka. J'ai un enseignement que j'ai déjà intitulé qui se cache derrière les saints sièges. Nani anakuwa anafuchama kile kichi kitakatifu. Sitaki kutaja ile kanisa mais unaweza kukomprendre. Je ne veux pas citer cette église mais qui se cache derrière les saints sièges. Nani anakuwa anafuchama kumkongwa kile kichi takatifu. Ile hata mu occasion nyingine mita ile taka mais itakuwa napitaka ku radio hivi. Même dans une autre occasion je vais donner cela mais ça ne va pas commencer par ça va passer par la radio. Kanisa mko ni siège ya Lucifer yeye mwenyewe. C'est comme ça que tu vas dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église. Mais na point ya kwanza alikuwa anatafuta koma aingie mu ma église ya réveil. Et un autre le premier point il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises de réveil. Ya pili ba la biche ko maro ya ba pasteur bengine ba kwe baki. Un deuxième point, il devait en tout cas compliquer le cœur d'autres serviteurs afin qu'ils puissent lui appartenir. Diable anayuaka Mungu bien. Diable connaît très bien Dieu. Ya tatu anasema tu décourager ba chrétien ba chance kupeleka offrande na fura njoo offrande ile kunapeleka na roho kuna luma Mungu ashibebaki. Alors qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils puissent pas donner leur offrande avec joie. Parce que l'offrande qu'on donne avec joie, c'est bien reçu par l'Éternel. Quand on donne avec chagrin, c'est pas bien reçu par l'Éternel. Qu'on les pousse
à ne pas lire la Bible, qui lisent autre chose, qui s'intéressent aux films. Donc, qu'on puisse inventer de très bonnes choses qui pourront distraire tous les hommes qui se trouvent dans ce monde, afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église. Quoi? Le diable est donc en train de tout mettre en œuvre pour distraire l'humanité afin qu'il ne puisse pas s'intéresser à Dieu. Mais what? Quoi? Réveillez-vous, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Regardez ce que le diable est en train de faire. Il invente toutes ces choses pour distraire les humains. De nouveaux films, de nouvelles chansons, et tout le monde danse, ça rigole. Et les gens ne s'intéressent plus au final à Dieu. Quoi? C'est le moment de vous réveiller, mes frères et sœurs. Si vous êtes distrait, que Dieu vous délivre ce soir et qu'il vous ouvre les yeux. Si vous avez faibli dans la vie de prière, c'est le moment de vous réveiller parce que Dieu veut entrer chez vous ce soir. Mais what? Allons-y pour le point, ça va plus, s'il vous plaît. Mukomambo ya mingi. Il y a beaucoup de points qu'on avait développés dans cette rencontre. Pour entrer là-bas, il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande. Si tu n'as pas quelqu'un que tu peux amener son vêtement, ses activités ou quelque chose qui lui appartient. Amen. Amen. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se trouve encore sur la terre. Le jour de l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Il faut aller dans le premier tour. Tu dois aller dans le premier tour. Tu ne peux pas dire je vais me sauver avec mon propre sang. Tu ne sauras jamais. Dans la deuxième petite maison, on est sur le problème de ce musulman là-bas. Cette fois-ci, il y a un homme. Ça, c'est l'aîné de notre famille. Je l'avais tué dans l'année 83. Et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà pourri. Des gens vivants qu'il a déjà tués en disant qu'avec l'argent que vous me voyez, ce sont ces gens qui m'amènent cet argent. On enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants. Mais je vais vous dire où est-ce qu'il tirait les diamants là-bas et l'or. Mes frères et sœurs, vous avez entendu. Il va nous dire d'où est-ce qu'il tire son diamant et son or. Ça veut dire que dans la vie, il faut d'abord chercher à savoir l'origine de la richesse des gens avant de les envier. Sinon, vous serez en train d'envier quelqu'un même qui a déjà vendu son âme au diable ou qui fait la sorcellerie pour avoir sa richesse. Écoutons-le et découvrons ce qui va se passer par la suite. Alors, je lui avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées. Il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne. Il avait ouvert dans son garde-robe. Il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre. Tu vois la poule ici, c'est même ça ma femme. Vous voyez la poule ici, c'est même ça ma femme. Est-ce que vous avez entendu? Une poule. Poulet, une poule. La femelle d'un coq. C'est ça, sa femme. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Il a ça, il a le rapport sexuel avec un truc pareil. Mais c'est incroyable. Alors, écoutons encore, s'il vous plaît.
J'ai fait avec elle tout le rapport. Dès que je termine de faire le rapport avec cette pour je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage ou soit une femme qui est chez elle à la maison mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle. Et elle va commencer à mettre les œufs. Si la femme avec laquelle ils se sont rencontrés a trois femmes, la poule aussi aura trois œufs. Wow. Est-ce que vous avez compris? Il dit que son ami a fait sortir d'un sac une grosse poule avec qui il a des rapports sexuels. Et quand il finit d'avoir des rapports sexuels avec cette poule, lui, il va maintenant chercher à avoir des rapports sexuels avec une femme qui a déjà des enfants dans sa vie. Et quand il finit d'avoir des rapports avec cette dernière, la poule qui a chez lui là, elle va pondre trois œufs. Selon que la femme avec qui il a accouché là a le nombre des enfants. C'est-à-dire que si la femme là, elle a trois enfants, la poule là va pondre trois œufs. Mais est-ce que ce sont des œufs ordinaires? Assurément, là, on va dire quoi? Que ce sont de l'or, c'est de l'or. Exactement comme dans le film de la Rico Magique. Mais c'est incroyable. Écoutons-le encore, s'il vous plaît. On revient. Écoutons-le, super. Ou soit une femme qui est chez elle à la maison, Dès que je termine de faire le rapport avec cette poule, je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage, ou soit une femme qui est chez elle à la maison, mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle. Et elle va commencer à mettre des œufs. Si la femme avec laquelle ils se sont rencontrés a trois femmes, la poule aussi aura trois œufs. Et la poule va couvrir ses œufs là-bas pendant 45 jours. Et après, il y aura les diamants ou de l'or. Et c'est comme ça qu'ils vendaient ça. Diamant artisanal, ma diamant commercial. Ce n'est pas du diamant artisanal, c'est le diamant commercial. Mon centre-ville à Lubumbashi, mon avenue, mon bout de coin, je suis comme un avenue cani, pas les Mukador, les bâtiments, moi, vers quoi n'est-ce pas Mukador, je fais chaque année un coup de diamant à or. Mukador à Lubumbashi sur l'avenue Mobutu, c'est là qu'ils vendaient, c'est là qu'il y avait son comptoir. Après coucher les diamants, ou alors patana na bato to ko batako fo bote moya moya mu mweji moya bote batafuatana. Après avoir vendu ces diamants là-bas, toi qui s'étais rencontré avec lui, tous tes enfants vont mourir dans le même mois. Comme on appelle dans la way. Si tu acceptes de prendre ce fétiche, je vais te donner aussi une poule comme celle-ci. Est-ce que vous avez entendu? Donc c'est comme ça qu'il fait pour avoir son or là. Et ceux à qui ils vendent cet or là, s'il ne faut pas, de toute façon, eux-mêmes, leurs enfants vont mourir. Quoi? Ah! C'est quoi ça là? Vraiment, que Dieu nous garde. Waouh, prenez-y plus loin, s'il vous plaît. Ça nous fait commencer. Si c'était des moines très puissants, c'est normal. Je ne vois ce qui va se passer, pas sûr. C'est pas tout. Nous ne sommes même pas encore à la moitié de ce témoignage. Prenez-y plus loin, s'il vous plaît. La deuxième des choses, il m'avait dit ceci. Wendo tafute comme un amour qui est langari bikira. Va chercher une femme qui est encore vierge. Va la droguer, au moins elle sera ivre, prends 5 cc de son sang et tu l'amènes. Si tu échoues de faire cela, tu peux faire des rapports avec elle. Et quand tu vas, le jour, au moment où tu vas arriver, moi-même je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sangs qui l'appartiennent à cette femme. Quoi? Ah, vous avez compris? Il va maintenant, cet homme va maintenant dire à celui qui parle là, d'aller chercher une fille qui est vierge. Et il va faire quoi? Faire dormir la fille. Une fois que la fille a bien endormi, il va prendre un peu de sang de la fille. Mais s'il a échoué de faire ça, il doit tout faire pour coucher avec la fille qui est vierge là. Aïe, mais comment les gens peuvent faire des trucs pareils? Et ces choses ont rien, c'est ce qui se passe, ce qui raconte. Les gens continuent toujours de faire ça. Oh.
Et quand il va coucher avec la fille là, ce qui est mauvais, il lui a dit quoi? Si tu es échoué de bonne façon, quand tu vas, il faut tout faire pour avoir des rapports avec elle. Mais là, si tu as des rapports sexuels avec elle, bien, nous allons faire des quoi? Des cérémonies. Et c'est au cours de ces cérémonies là, nous allons recueillir ce sang là de toi. Ça veut dire que quand on couche avec quelqu'un, quand on a des rapports sexuels avec quelqu'un, on fait quoi? On échange le sang. Et si vous êtes, si vous avez couché avec un sataniste, là c'est grave parce qu'il peut, par des prières mystiques, recueillir votre sang pour faire des choses graves. Mais que va-t-il faire avec? Écoutez encore pour savoir plus. Ça va être chaud. Et quand tu vas, le jour au moment où tu vas arriver, moi-même je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sangs qui appartiennent à cette femme. Tutaiweka padra moya malekani, tunanjika reketi yako, kile uko nacho besoin, unanjika pale, tutenda pa rivière Lubumbashi, tunatupa, soit pa rivière Kafubu, itenda kufika ku mec ni fashile barijikaka maume. Alors nous allons prendre cela, nous allons mettre ça sur les marikani et nous allons jeter ça dans l'eau, ça va arriver jusqu'à Mec là où on avait enterré Maomé. Manaki ule mwanamuke njo atenda kukulombea kama ni kaji kama ni franga kama ni kintu kani. Alors c'est cette femme là-bas qui ira demander pour toi tout ce dont tu as besoin. Nina ile 5 cc ya damu yo tutenda nayo paka pa mutoni tune mwanga kisa unatafuta mayai 5 nayo unatupa. Unaenda kutafuta kwa mwanamuke moya. Umutrete kama nechika utoshe tu sous-vêtement au soutien nayo wendo ketupe pa mayai. Manaki ule mwanamuke atenda konana na fille de Lucifer. Atenda kukulombea kama ni kaji, kama ni bintu kanibila talomba, utapata. Alors si c'est le sang, tu vas déverser ça sous l'eau avec 5 œufs et après on va te demander d'aller chercher une femme chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge que tu vas encore jeter et après cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan et il va demander tout ce que tu veux pour toi. Ba mama tamilomba kona ba jeune fille, mulamuke kumu maombi sana. Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles de beaucoup vous réveiller dans la prière. Un habit qui appartient à une femme et celui qui appartient à un homme, c'est l'habit qui appartient à la femme qui a beaucoup de valeur dans le monde des ténèbres. Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin, je vais vous expliquer. Et toi l'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Il y a d'autres cas, on est en train de lui parler des choses pareilles. Nous sommes à ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables. Christ. Et nous sommes en train d'élever Christ. Ton habit à toi, tu peux me donner ça à un sorcier. Et demain, il viendra te le remettre. Et demain il viendra te le remettre. Si tu es en Jésus, tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier. C'est lui qui va déménager. Pourquoi? Parce qu'il ne va plus aller dans leur monde. Il n'y aura plus de communication. C'est comme ça qu'il aura peur en disant, comme je ne communique pas avec mon monde extérieur, j'aurai des problèmes. Il sera dans l'obligeant de déménager. Et toi aussi tu es dans une famille où on te combat. En combat, c'est lui qui a une étoile de Dieu qui est en train de briller. Quelqu'un qui n'a pas de doigts, on ne peut pas le combattre. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui? Église, mais si tu te rappelles même dans la Bible, les enfants de Jacob, tous ces enfants là-bas combattaient Joseph parce qu'il avait une étoile qui brillait. À la fin, même son père, le sens qu'il avait eu en dernier. Le soleil, la lune et toutes les étoiles se sont prosternées devant lui. Son père n'était pas content. Mais là tu viens maintenant d'examiner. Même nous tes parents. Que le Seigneur soit loué. Même toi aussi dans ta famille. Si tu vois un combat qui prend une autre dimension, tu dois seulement te mettre à genoux. Mets-toi en tête, là devant il y a des bonnes choses qui t'attendent. Le sorcier a une vision de l'eau. Il peut aussi voir ce qui va venir après. Il y a des astrologues, quand ils te regardent comme ça dans la main, ils te disent, bon voilà, demain tu feras ça, ta vie sera comme ça. Alors après cela il m'a donné le Coran, la Bible qu'ils appellent le Saint Coran.
C'est ce qu'on appelle verset biblique et appelle ça surat coranique. Il est kitabu barikitoshaka moulan 630 après Jésus-Christ. Le livre bas a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Manaki Lucifer aringaka mu congrès na ma démon supérieur, ma démon inférieur, na ba prince inferno, na ma église ile comme ekuminisme bana changana. Pour que batoche ko livre moya y combanisse Bible. Alors c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques, pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. Banatosha Coran. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. En 715, Banatosha Abermal. En 715, ils ont inventé Abermal. Il est baritosha mu 715. Dans 715. Mu 921 après Jésus-Christ. Dans 921 après Jésus-Christ. Lucifer est moi en personne. Lucifer lui-même en personne. Arishukaka mu Chine. Il est descendu en Chine. Anavuala corps ya bomuntu anenda kupatia mwanamke moya mimba. Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. Ule mwanamke alifanyaka na mimba 3 ans. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. Déjà gouvernement na mubeba bananza kumwangalia ni kintu kaniki anataka kuzala 3 ans et puis baba na mutwanga madawa njua ku provoquer ma douleur et enfantement ashizali. Alors le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous donner, puisque 3 ans c'est un peu trop. On était en train de donner des produits qui pouvaient la permettre d'avoir cet enfant, mais ça ne tenait toujours pas. Bana mu bloquer ça sa hôpital. C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. On était en train de la surveiller. Alors cet enfant était avec les dents directement et avec 3 taches sur la tête. Il y avait une tache rouge, noire et blanche. Et elle parlait même l'enfant là-bas. Bébé, gouvernement n'a pas tout égal à qui tu as vu. Bah la monnaie sa maman qui a sema. Alors le gouvernement a dit à la maman là-bas, bon, nous ne pouvons pas garder une telle chose. Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner. Nous voulons tuer. Alors elle avait accepté, elle avait dit, laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant. Elle était arrivée à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'elle avait jeté cet enfant dans une rivière. Il est ma démon errant, il est ya yulu, il est na shuka, il a mu récupéré, banenda kumweka mu montagne moya, bananza kumunurir bo benyebe na muleta chakula majiba na vila nanza kukomea. Alors il y avait les démons qui errent dans l'air, sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une montagne, et c'est eux-mêmes qui nourrissaient l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait. Jole banaitaka lao c'est tout. C'est celui-là qu'on appelle Lao Tzu. Le fondateur du shintoïsme, njo alianzaka magie rouge. C'est lui le fondateur de la magie rouge. Mais what? C'est quel enfant ça? Tellement il était étrange. Ils ont décidé de le tuer. Et sa mère a fait quoi? Elle a jeté l'enfant là où? Dans l'eau. Et il y a des démons errants qui ont vu cette histoire et ils sont venus prendre l'enfant. Des démons hein, qui sont venus prendre l'enfant. Ah! Ça veut dire que nous sommes là en train de marcher là. On n'est pas seul. Il y a des démons qui sont dans l'air là-bas qui observent tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un mouvement, ils opèrent. Vous avez vu? Dans la vidéo précédente d'une femme qui a crier 3 fois comme ça, qu'elle est prête à vendre son âme au diable. 3 fois à la plage, à haute voix. Quelques temps plus tard, les démons sont venus chez elle. Pour dire, nous sommes venus te chercher. Mes frères et sœurs, ça veut dire donc, ça confirme donc ce témoignage-là. Ah, donc c'est ça qui s'est passé chez elle. Faites attention à la vie, mes frères et sœurs. Ce soir, nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. Dans ce témoignage très puissant, il y a tout dedans. Alors que ce n'est que le chapitre 5. Il y a jusqu'à 9 chapitres encore qui vont venir. Soyez prêts. On dit plus, Amen. Amen.
Kama unashikia kipande kiloko mtu asema anenda kushina au musician au fulani, mule mushini banenda kufuataka ni ule laose tu. À un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit moi je vais en Chine, une autorité qui dit moi je vais en Chine. À un moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas. Sasa unifuate. Alors suis-moi alors. Wona ngaria kama film haina mubaya. Wendo kafuate film moi bani intitulé 36e chambre de Shaolin. Wendo fuate le film utayo banafuyaka mubintu kani mule. Alors, toi qui aimes les films, ce n'est pas mauvais. Si tu as déjà suivi les films intitulés 36e chambre du Shaolin, suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. Film est à Piri. Le deuxième film, il est ben intitulé Les 7 secrets du Kung Fu. Les 7 secrets du Kung Fu. Et celui qui avait les 7 secrets, c'était Bruce Lee. Jo karateka wa kwanza alimonaka ule laose tu. C'est pourquoi leo hakuna mtu yuko nakombana karate vile yari kombanaka. C'est le premier karateka qui avait vu cette histoire là-bas. C'est comme ça que mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut se battre comme lui dans le karaté. Ule ni mtoto wa shetani yeye mwenyewe. Ça c'est le fils du diable lui-même. Kushini kuku sekti yake mwa abantu banakataka mabala beko na vola mangomo ya rouge utabona mikono banikalaka paka hivi. En Chine il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils marchent toujours comme ça. Ile njo kanisa yake. C'est ça son église. Njo kulitokea ka burua bwa huyu musicien congolais banitaka roi de la forêt. C'est là que ce musicien congolais avait trouvé sa royauté. C'est là-bas qu'il était parti. Ma modèle yote ile nafaka kukichwa. Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête. Arenda kupika concert moi ku Bercy. Il était à Bercy dans un concert. Arekaka croix moya hivi mukichwa yake atentira naweka croix. Il avait mis une croix sur sa dans sa tête. Ni ma instruction ya ule laos c'est toujours alikuwa na mukomunike bile biote manake ile musalaba ikuna representer 4 démons supérieurs bale beko ku 4 coins ya monde. Je le signe tunaona kama église nyingine ile barafanya ka hivi. Manake beko na shusha wa nord wa sud wa est na wa ouest manake ni ba démons supérieurs. C'est ces démons là-bas qui étaient en train de lui communiquer ce qu'il avait fait la croix là-bas. Pour représenter les quatre démons, même d'autres églises utilisent cette croix, c'est pour invoquer ces quatre démons là-bas. C'est pourquoi moi le concert à Ripataka bantu mingi sana. C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ce concert là-bas. Et à partir d'ailleurs les croix riwekaka manaka ile ma démons supérieurs quoi nayo pale. C'est-à-dire c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans le concert. Quoi? Dans un concert, les démons sont aussi présents à cause tu crois qu'à partir de sataniste, on voit ce qu'il a fait. Quand on raconte ces choses, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, c'est de la blague. Oh, c'est comme ça, c'est de la blague. » Mais mes frères et sœurs, c'est quoi cette vidéo? C'est quoi ce témoignage puissant aujourd'hui là? Mais moi-même, je suis dépassé, étonné. Mais c'est étonnant. C'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe quelle musique. Ou encore, il faut se renseigner sur l'état d'âme de la personne qui joue de cette musique. Ou encore qui est en train de chanter. Maintenant, si vous voyez des bagues ou la tête de l'homme dessus, là, ne vous posez pas trop de questions. C'est que le diable est déjà présent dans cette histoire. Alors, je peux en savoir plus. Paye beaucoup de gens dans ces concerts là-bas. À partir d'ailleurs les croix riwekaka manaka ile ma démon supérieur quoi nayo pale. C'est-à-dire c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans les concerts. Bantu kutokujua et comme les gens ne savaient pas. Tuona ba frère bengine bari wekaka ile misalaba nabo banaweka bananza kutembea mu balabala. Donc muntu anaenda kujadere ye mwenyewe kwa shetani bila yekuyo. On a vu des gens qui ne savaient pas, ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête. C'est adhéré chez les diables sans pour autant le savoir. Bwana sifiwe. Que le Seigneur soit loué. Conclusion. Musulman apana kumuita sema frère ana frère wako. En conclusion, tu ne dois pas appeler musulman frère parce qu'il n'est pas ton frère. Atomba ke nabo vrai Dieu. On ne prie pas avec eux un même Dieu. Naomba ni vrai Dieu créateur. Nous prions les vrais Dieux qui créent. Bo ule Allah ule banataka ni Dieu mais aina Dieu créateur. Allah qui cite aussi un Dieu mais lui ne crée pas. Bwana sifiwe. Le Seigneur soit loué. Kama anakoa. Si t'es pas en mariage, mukifane mashiku kiloko anakushanje njini. Et si tu fais peu de jours chez lui, il te change de nom. Et puis kama ya munafanya 15 mariage ko paka muile nyabo. Utaanza kujiretrouver pa kitanda munegalaka baadaye mko na lala mais utaanza kusentir na mtu wa tatu anaongezeka. Et si vous faites un mariage avec quelqu'un de ce secte là-bas, tu vas te rendre compte que 15 ans après, vous êtes à deux sur le lit mais tu vas sentir une troisième personne. Na pale sasa maisha yako inakuwa muhatari. Et là, ta vie maintenant devient en danger. Alors cette femme va commencer à venir chercher les sacrifices humains.
ule muntu kama nakoa atakutosha mukanisa umatasia paka wenge muyetu amute chika amu ya onaka hapo tu muntu yako na bwana mizilma yena yeni kretia yako neni abiende kake swata atakutosha ubia mbukweri bunaishi. Alors, un tel mari, s'il venait te chercher, tu vas quitter ton église pour fréquenter son église. Parce qu'ils n'acceptent jamais d'avoir une femme qui fréquente une autre église. Tout ça, mais combien les passages? Ils ont d'abord ce passage. Timothée ou quoi? 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Tashkia Paul est qu'on a semanine, moui wakati toko. Nous allons voir ce que Paul... 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit que ce soit devant les yeux de repentir sur ce qu'il y a de l'air et les libérons de la foi. S'attachant à des esprits et du cœur. Amen. Amen. En tout cas, à ce moment ou à ce temps, l'église doit faire vraiment attention. Il y a des églises qui sont en train de naître, mais qui ont des doctrines qui appartiennent au diable. Il y a d'autres qui étaient sur le voie de Dieu, mais à un moment donné, ils ont abandonné cette voie pour aller dans une autre voie. Écoutez comment est-ce que ce livre était. Lundi. Lundi, Nishiku ya Dieu Lucifer. C'était le jour du Dieu Lucifer. Il est une journée yake anachaka trône yake anatoka kule ku Saturne anaingia mu planète Terre pamoja na 24 vieillards baki batatembea monde mujima na kuprovoquer madega ya nguvu. Alors ça c'est une journée réservée à lui, là il va même quitter son trône dans la planète Saturne avec ses 24 vieillards pour venir dans notre monde et ils iront partout et créer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi mononaka lundi bantu banikala ba kuchoka choka sana. C'est comme ça que vous voyez le lundi tout le monde est presque fatigué. Bengina bendaka tamu makaji. D'autres ne vont même pas au boulot. Donc ni siku moi inonekana ka tu sa siku moi hivi ya mubaya. C'est une journée vraiment qui se présente comme étant mauvaise. Mon 1983. En 1983, il y avait un accident sur Bouyofwe. C'était un lundi. C'est le jour où il est en train de servir lui-même. 1988, Kasumbalé, sa train avec un véhicule. C'était toujours un lundi. Amen. Amen. C'est là, c'est le jour où il y a beaucoup de morts. L'attentat du 11 septembre aux États-Unis. L'attentat du 11 septembre aux États-Unis. Vérifie très bien. C'était un certain lundi. C'est le jour où lui-même descend avec tout son staff. Kama banaisha mu masseuse ma secte yote ku dunia rose croix maikari flamasonerie. Alors vers 16h, tous les sectes qui existent dans ce monde, ils se rencontrent à l'hôtel Caravia pour adorer le diable. Mardi, Nishiku ya udemo banaita Akam. Démon Akam. Kuma église ingine banamuita Saint François d'Assise. Dans d'autres églises, il est appelé Saint François d'Assise. Chaleo Nishiku ya mutakatifu François. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint François. Akam manake démon séparateur. Ça veut dire un démon séparateur. Ni démon le diable acha kupatia pouvoir ya kudiviser bantu na kuangusha mandoa ya bantu. C'est un démon à qui le diable lui a déjà donné le pouvoir de séparer les gens et de faire tomber les mariages des gens. Même ba sorcier kaba nataka kuwa ndoa yako bana utilizaka ni démon Akam, yé ni démon à division. Même les sorciers s'ils ont envie de détruire ou de séparer ta vie de couple, ils utilisent ces démons parce qu'il est là pour la séparation. Même dans des familles, tu verras des enfants qui appartiennent aux mêmes parents, mais ils causent jamais. Donc, patron et famille, sur le trône de leur famille, banekala kam.
C'est Akam qui est là-bas. Il n'y a que des rancunes dans cette famille. Les enfants de celui-là, ça ne cause pas. C'est des démons qui ont envoyé ce vent et ils ne vont jamais s'entendre. Tu verras quelqu'un va se chercher. Il va encore chercher notre femme. Il faut que démon à séparation. Même chez les femmes, tu peux voir une femme aujourd'hui, elle est avec tel mari, demain c'est notre mari, le lendemain c'est notre. Si vous voulez délivrer une telle femme, vous devez attaquer les démons à Kam, parce que c'est lui qui est à la base. Shetan a un démon religieux. On l'appelle un démon religieux par le diable. Pourquoi Dieu qu'on a utilisé dans ma église? Pourquoi? Parce qu'il l'utilise même dans les églises. Comme le diable n'a pas visé Kanisa. Si le diable vise une église, c'est le démon qui l'envoie. C'est quoi s'il entre, vous allez le voir avec vos yeux. Il va seulement toucher quelqu'un chez qui il va donner une connaissance incomparable. Alors avec sa connaissance là-bas, il va commencer à combattre les leaders de l'église. Au moins il y aura ces combats. À la fin il y aura une division. Et il ira avec quelques personnes. Suis-moi bien l'église. Dans l'église tu viens chercher Dieu. Évitez les attroupements avec les gens. Alors ces gens, ces histoires là-bas sont provoqués par les sorciers et les démons. Vous savez, si quelqu'un divise l'église avec les gens et ces gens partent avec une malédiction, tu ne dois pas suivre de tels gens. Écoutez là où ils vont partir. C'est avec des puissances, avec force. Ils vont construire, ils vont faire beaucoup de choses. À la fin, il y aura encore une division de leur côté. Alors il te sera difficile de rentrer d'où tu es venu. Si tu sens vraiment que j'ai grandi, alors dis seulement à tes parents, non moi j'ai grandi, et puis ils vont prier pour toi, tu vas évoluer à un autre. Alors ces démons, le diable les fait beaucoup travailler dans les églises. Akam. Démons séparateurs. Mercredi. Nous allons nous arrêter seulement le mercredi pour que je puisse attaquer les chapitres. Et les autres, nous allons parler de. Ou à mercredi, ni déesse d'Astarté. Le démon de mercredi, c'est la déesse d'Astarté. Et il y a des églises où on adore cette déesse. Suivez-moi très bien. Si tu as les photos de cette déesse, tu dois aller les brûler. Banamuita Marie de Marigouay. On l'appelle Marie de Marigouay. Ou le Marie de Marigouay, aina Marie mère de Jésus. Et cette Marie là-bas, c'est pas elle qui était la mère de Jésus. Marie mère de Jésus a rekufuaka vile muntu otana kufuaka. Elle était morte comme tout le monde doit mourir. Mu Bible kuna fashi banasema Marie mère de Jésus a ripandaka kwenda kumbingu. Dans la Bible nulle part on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté. Utakuta ma église ingine banakomemoraka anniversaire yake ya kupanda kumbingu le 15 août. Alors tu vas arriver dans d'autres églises, des églises, on est en train de commémorer le jour où l'été monté le 15 août. Il est le 15 août, Njoshiku Arshukaka anapatana na église moya barome banafanya alliance. Alors le 15 août, c'est le jour où elle était descendue et s'est rencontrée avec une église romaine et ils ont fait une alliance. C'est une déesse d'Astarté, elle est dans les espaces. C'est pourquoi le 15 août, banafanyaka fête yake. C'est comme ça que le 15 août, il y a une fête en sa faveur. Écoutez comment est-ce qu'on l'appelle. Ba français, njo banamuita Marie de Marigouay. Les Français l'appellent Marie de Marigouay. Ba Romain, bo banamuita Maria Valencia. Les Romains l'appellent Maria Valencia. Anekalaka na bébé moya, ou le bébé njina keni Zeus, démon destructeur. Alors, elle a un bébé et le bébé s'appelle Zeus, c'est le démon destructeur. Je me demande ma photo, il est à Marie, à chaque bébé. Où le bébé a Jésus à pas, ni Zeus, démon à destruction. Vous voyez, il y a des photos, il y a Marie qui a un bébé. Le bébé là-bas, ce n'est pas Jésus, c'est Zeus, le démon de la destruction. Au Rwanda, va il est génocide, il y a 94.
Au Rwanda, avant le génocide de 94, décembre 93, bari monaka mu Kigali le Maria na shuka na bébé wake. C'est pourquoi damu rivuya ka ville mon. En décembre 94, ils ont vu cette femme descendre avec son bébé. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas. Ye kama na shuka. Elle quand elle descend dans un pays, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Kale ka bébé ni ka Zeus ni ka démon ka destruction. Et le bébé là-bas c'est Zeus, c'est un démon de la destruction. Kana provoka kama tempête moi ya nguvu paka ya kuharibisha. Ça provoque des tempêtes qui ne font que des détruire. D'autres églises, banaba présenta colle des assez manjo Marie mère de Jésus. On leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus. On a vu les bantu basha kupoteaka. Voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdition. Ni mwanamuke moye kalage na mifupa. C'est une femme qui n'a même pas d'os. Yeye upaka na minofu. Elle a seulement la chair. Eko muzuri ku dunia kuna mwanamuke muzuri sawa. Elle est trop belle dans le monde, il y a pas une femme comme elle. Baromé banamuita Maria Valencia. Et le Romain l'appelle Maria Valencia. Musicien moi congolais chaque muimbiaka muimbi. Il y a un musicien qui a déjà chanté pour elle. Soki ba monie na là, ça vous chiaque le mouimbo et tambolinaio Maria Valencia. Ce sabengine banosa que le macassette bobe qu'on a sani Marie mère de Jésus. Donc, on a toqué à moukani soma na combana na ma démon en a choka en a fika quoi qui en a weka il mouimbo et longinaio Maria Valencia. Et qu'on a sema ni Marie mère de Jésus. Or, aïna oule. Alors vous voyez d'autres personnes, ils quittent l'église, il a beaucoup combattu avec les diables. En quittant l'église, il prend la cassette, il met en croyant que c'est la mère de Jésus et la personne commence à chanter. Mais what? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce monde, mais c'est inadmissible. Ah! La mère de Jésus-Christ là, est-ce qu'elle a envie? Et là, je sais la partie commentaire. Et dites-nous ce que vous en pensez. Pas musicien, mais quelqu'un sérieux. Écoute, église, les amis, nos frères musiciens, ils ne sont pas sérieux. Ni ba evangéliste, ba nguvu, ben on appelle ka bantu, ben atosha bantu kwa Mungu, ben on appelle ka Shetani. Ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les amener dans le monde de Dieu. Pourquoi les mouim? Vous savez pourquoi il avait chanté ça? Ou les musiciens succès qui a échoué. Et ce musicien là-bas, il a toujours son succès. On a fait un sacrifice à tout bébé, quoi, ou les Zeus, mais qu'on a rajeunir Saouti. Alors, c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé là-bas, Zeus. C'est comme ça que sa voix rajeunit toujours. C'est pourquoi il me remercia quand on a il est mouimbo. C'est comme ça que pour le remercier, il avait chanté sa chanson. Pour le remercier, il avait chanté sa chanson. Ah! Et nous qui écoutons cette musique, on pense qu'il chante pour nous faire plaisir. Et il le dit lui-même, oh, je chante pour vous faire plaisir. Alors qu'il a chanté pour remercier un démon. C'est incroyable. On ne sait plus la personne à plus encore, mais c'est incroyable. Bali baza kotunayo mingie balobi ozali moya ya tongo basusu balobi moya pokwa ni muntu moya. Quand tu regardes cette déesse, tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces. Et tu verras dans d'autres photos, elle a déjà piétiné sur la terre. Les Chinois l'appellent Xing Mu. En Arabie Saoudite, banamuita Aïcha. En Arabie Saoudite, on l'appelle Aïcha. Musicien algérien n'a rien à voir avec l'arabe. Il y a un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe. Aïcha, Aïcha, je t'aime. Mourishika kapoué le mouimbo. Vous avez écouté cette chanson, non? Même ici chez nous en Afrique. Attends, quoi est-ce qu'en Afrique? Même ici en Afrique. Bah, élèves. Les élèves. Quand ils m'ont 6e, quand ils 5e primaire. En 6e ou 5e primaire. Quand ils ont un poème, quand ils ont une femme noire, femme africaine, ou toi ma mère, ou toi n'as pas de dessin, qui a un bébé dans mon Congo. Alors vous allez voir qu'il y a son dessin là, avec un bébé sur le dos, c'est toujours elle-même. Femme africaine. Maintenant qu'au Brésil. Au Brésil. Bah, brésilien, bah, namouita Macarena. On l'appelle Macarena. Alléluia, gloria to God, Macarena. Eh, Macarena. Donc, qui l'avantu, tout le monde a sa façon de l'appeler. Donc, comme on a mouraté, comme on a adoré Mouissance, on est dans ta Mouissance, on a le mimbo, bantu mane pendaka sana ya Macarena. Si tu manques de l'adorer dans Maria Valencia, tu vas dans l'adorer dans Macarena. Musique profane, aïna bien.
C'est comme ça que la musique profane n'est pas bonne. Et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu, mais c'est la gloire du diable qui est là-bas. Toi un enfant de Dieu, tu dois acheter la musique chrétienne. Manake kuku ba rapper ba mo ba rikoka mu California mu boîte beko na rapper ba nona jeune fille wa 5 ans nakwa ko batupia ile disque bari tafuta ko le fille abako mu pataka aina muntu ari composa ke le mwimbo ritoka ni ku trone ya diable mo anileta ku dunia allo donc shetani mo analeta mwimbo bantu banacheza ile mwimbo. Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtement. Vous allez vous rendre compte qu'à Californie, il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert. Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont cherché la fille là-bas et n'ont pas trouvé. Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde. Ça vient du monde de ténèbres directement. Quoi? Une musique qui vient du monde des ténèbres directement? Et on chante ça ici, dans notre monde? Mais what? Ah! C'est incroyable! Nous avons commencé ce témoignage puissant avec la prison de la sorcellerie. Et regardez où ça nous mène. C'est-à-dire qu'en écoutant cette musique-là, on s'enferme nous-mêmes dans une prison, occupe encore une prison satanique, ou encore la prison de la sorcellerie. Parce que tu vas aimer la musique. Donc le pouvoir ou la puissance que tout dans cette musique va forcément te maintenir en prison. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, mes frères et sœurs, faites attention, il y a un danger qui guette les humains. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Ah, c'est incroyable. Petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont jeté une femme qui n'a pas la tête. Moi, je retourne au trône, il y a diable et moi, il est à côté. Alors, donc Shetani yemo analeta mwimbo bantu banacheza ile mwimbo. Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtement. Vous allez vous rendre compte qu'à Californie, il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert. Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont cherché la fille là-bas et n'ont pas trouvé. Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde. Ça vient du monde de ténèbres directement. Et cette déesse, elle est de longtemps, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est là que le diable l'avait placé dans les espaces. Wakati ya Nabi Jérémie. À l'époque du prophète Jérémie, bantu mu Israël bari muachaka mu Jérusalem banacha Mungu bananza kwenda kuadorer ule deesul. Alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas. Mungu anabapika njala mu Israël. Et Dieu avait envoyé la famine en Israël. Bantu bari teswaka na kufuisha batoto njoo bari acha Mungu bananza kumuadorer ule deesul. Et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse. Jérémie ananza kuomba njoo avale bantu. Et Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas. Munayo mambo ya kurishana kama komnyosa moyo wa Kristo. Amen. Abikwanzake leo njoo kule bilianziaka. Vous savez dans on donne l'Eucharistie, le corps de Christ. Amen. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est là que ça avait commencé. Lisons Jérémie chapitre 7. Lisons Jérémie chapitre 7. Tulianza na retard leo. On a commencé avec un grand retard. Ne sommes pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine. Amen. Amen. Jérémie chapitre 7 verset 16. Utashikia vile Mungu eko namonesha Jérémie. Juu Jérémie alikuwa ni prophète. Ananza kuomba juu ya wale bantu. Paka sasa hivi leo tuko na baba yetu hapa Delphin. Tunaria sana mukanisa. Oh makaji biendeke bintu kani. Anatwanga magoti ananza intercession. Mungu anamukataza. Hapana kubaombea babantu. Shikia mambo ile beko nafanya. Unayua shibantu. Atupende kuyua bubaya. Me tunapende paka Mungu etusaidi. Me bila ukuna fana binyabi na kuletele mambo. Unekaria hapo. Alors là, c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit, écoute ceux qui sont en train de... C'est comme dans cette église ici. Somme. Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus. 16. La Bible nous dit ceci. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Apana ku intercede nju ya abantu aba. Pale ni Mungu yemo yeko na mukataza Jérémie. Apana kuomba mutayua barifanyaka bintu kanibile Mungu alishirikaka. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Sita kushikia, sasa shikia, mambo ya ba kolit, na ba petit bengine, na ba mbonjo ba kolit vale.
Alors suivez les problèmes des acolytes. Écoutez d'où c'était venu. 17. 17. Le père. Là. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? De Jérusalem. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Je m'en mets le pan. Batoto peko na lokota mankuni. Baba njo peko na konga moto. Ile moto bana konga ka yakweka mu ascenseur. Ile bana puriza ke bishimoko ko na toka mu mamisa ingine. Ba prêtre njo bana konga ka ile moto. Batoto njo bana letaka makala peko na weka mulabi kwanza ke leo bilianza ka zamani. Sasa muku pare ya ba mama na bo ba rifanyaka nini? Continue. Nous continuons. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer de gâteaux à la reine du ciel. Et la pâte qu'on appelle communion. La pâte qu'on prépare avec l'Eucharistie. C'était des gâteaux à l'époque. Utona banaweka yulu kwa ajili yake na ndani yake iwe abampresentake Mungu. Bana presentaka ni ule rena nikalaka mu espace. Tout ce qu'ils font là-bas c'est une montre pas à Dieu mais c'est la princesse qui se trouve dans l'espace. Talomba ko ba mama mukuye je dit tamiambia ile pati banifanyaka je banaweka kama bintu kani. Shia batuko mu église arrivé toanze kuombea ko banduku bale beko mu ile ngambo basha poteaka shikure bile bintu biku bibaya. C'est comme ça que je vais demander aux mamans quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se trouvent de l'autre côté. Parce que ces gens là-bas sont déjà perdus. Parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Alors à Lubumbashi, je vais lui amener un disque et lui il va regarder. Après il va vous expliquer. Dans leur saint siège, les sœurs. Ce qu'elles font dans le couvent, tu ne seras pas content. Si tu as une soeur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer. Tu sommes ça à 44. Jérémie 16, 44. Ça, c'est une réponse. Il y a beau baigner, bantu. Pas les Jérémie, il y a des chakoubonnes. Mais bon, bana katana. Bantu bana mukatana mungu kumacho kweupe. Disons maintenant Jérémie 16, 44. 44, 16. Ah, Jérémie 44, 16. 44, 16. La Bible nous dit ceci. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Asema, bilone tonesa mujina ya wamilele, tunakatala. Hapa hapana taa hii, hapana mambo ya kufuchama. Bantu wanamukatala Mungu kumacho kweupe. Asema, bilone tonesa mujina ya wamilele, tunakatala. Et là, les gens n'ont même pas honte. En clair, là, devant le prophète, tu lui dis, ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous refusons ça. Mais, continue. Nous voulons agir. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui. C'est offrir de l'encens à la reine du ciel. Ile shimoko banafanyaka hivi ana njuu ya Mungu beko na ni sadaka ya ule malkia ya mbingu. La fumée qu'ils aspergent ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette reine là-bas. Kuku bengine tuku nabo mkanisa benye kupotea kama shilale bushiku anaenda munsoko anauza ile ubani aneka shimoko tone kuna famu nyumba na puliza puliza mo. Demo iska na shikaka harufu. Demo ni esprit. Ile shimoko ni mtu njoo atashikia harufu demo akimbiake ubani kama unapenda leo uende kachome one vile batakuya kama unaechoma ni bale ba mu espace njoo batashuka mu nyumba maana yake una baonore hiyo hii Biblia inasema. Alors il y a ceux là qui sont déjà perdus dans le délire hapo mbele bieru dirilia le fashi. La Bible nous dit ceci. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Faire quoi? Offrir de l'encens à la reine du ciel. Kutoa ubani kwa malkia ya mbingu. Shuka tena. Et lui faire de
libation. Il est présenté à Yulu, il est comme Kakou. Il est qui combe Banawekaka Yulu, Moukou Divai. Abikwanjake, Pabirianzaka Zamani San. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de rois et de nos chefs, et de rois et de, dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem. Amen. Amen. Utaona mumma église ngine porte kura iko nakuwa na msalaba mwingine kuna mfuata na sansuari na puliza shimoko ile shimoko demo akimbia kile shimoko hata mloji akimbia ke. Alors vous verrez dans d'autres églises il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur et puis na maya baraka l'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie. Et là tu verras c'est le père lui-même avec cette eau en train d'asperger sur les gens. Et d'où vient cette eau? Mu France, mu Paris, muku mutoni moya banitaka sema kulur dule mari de marigoy anashukaka kila mwaka kuile mutoni. Kulur do c'est une rivière qui se trouve en France, c'est là que cette reine descend souvent. C'est là qu'ils prennent cette eau. Et ils vont donner ça dans tout le monde, Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie. Et cette eau, là, on est aspergé même sur les sorciers. Qu'est-ce que ça leur fait? Et tu verras une autre personne prendre cette eau, asperge dans Alors, démon, c'est un esprit. Même les sorciers, quand il viendra dans l'esprit. Comment veux-tu que cette eau puisse toucher les sorciers? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets. Alors, là où il y a la statuette de Marie, il y a le pouvoir des Zeus. Alors, essaie seulement la nuit. Quand tu veux voir ce que je te dis. Et tu verras d'autres personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions. Alors ce sont des Le 15 août 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette reine et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer. Ça, c'est mon Éphèse. Dans Éphèse, on l'appelait Diane. Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. Najua mu Bible muku mutoto wa Jacob mwa banamuita Dan ana Dian. Je sais que dans la Bible il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan, pas Dian. Bwana sifiwe. Le Seigneur soit loué. Kapanga mutoto Dian. Tu donnes à ton enfant le nom de Dian. Utona mbele atakuwa mzuri sana. Tu verras que cet enfant sera trop belle. Atakuwa possédé na esprit mbili. Elle sera possédée par deux esprits. Ya kiburi. L'esprit d'orgueil et l'esprit de pudicité. Ce sont les deux esprits qui vont accompagner. C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille. Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle. Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons lire ça à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Il y avait un magicien Démétrius. Je l'avais étudié à l'école de la magie. Elle avait une grande entreprise, c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane. Elle payait, il donnait un bon salaire à ses travailleurs. Et les temples là-bas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche. C'est comme ça que vous allez voir, au mois de décembre, beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison. Et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages et mettre ça là-bas la nuit. Avant de dormir, les gens s'inclinent là-bas pour prier. Apôtre Paul wakati anaingia ku Efeso, alikuta ku Efeso bantu bajue mambo ya Mungu. Et au moment où il était entré à Éphèse, l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu. Bible nasema na ile entreprise yenye ya ule Demetrius ilikufwa, barikuwa na fabriquer ma temple ya argent ya ule déesse Diane. Même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane.
Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre. Tu es en train d'énerver ton Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Alors il y a des familles qui font le mois de décembre, ils cherchent ces statues là-bas, ils mettent dans la maison. Après au mois de janvier, ils jettent ça. Un autre mois de décembre, ils récupèrent ça. Comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes, après tu prends ça? Or la Bible nous dit, les vrais adorateurs vont le faire en esprit et en vérité. Mois de mai 1993. Mois de mai 1993. On a mois de mai ou bien avril, élève, sixième, banengiaga, mumakinja, présenter examen d'état. Pendant ce temps-là-bas, les élèves qui sont en sixième entrent dans des maquis pour préparer les examens d'état. Moule mukarte ni rikoka nekala, kuku bagarso mama banengiaga na bomo maquis. Nilikuwa na bashikiaga kabe una sumburia. Alors ces garçons là-bas, quand ils étudiaient, ils étaient en maquis dans mon quartier. Quand ils étudiaient, quand ils causaient, j'ai suivi leur causerie. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique. Il est big magique à exister. Et ce stylo n'existe jamais. Il n'est là qu'ici. C'est comme ça. Ni muntu bataua. C'est quelqu'un qu'on va tuer. Bana tosha ta kilole yake kimoya. On peut même prendre son doigt. Bana kigeuze na kwa ile big. On va transformer ça en stylo. Aina sema ni big magique hapana, ni muntu. Sasa manake akili ya ule muntu njoo itaanza kutumika mule mu big. C'est un homme qu'on a tué, c'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas. Chef yangu shiko arenda ku prêter serment. Le jour où mon chef devait prêter serment. Ku badolit munajua ile wakati. Abadolit, vous connaissez ce temps. Alikuwa ka signaler. Il était signalé par ces marabouts. N'utilise pas les stylos que tu vas trouver là-bas. C'était le doigt de quelqu'un. Si tu utilisais seulement ces stylos là-bas, tu seras en dessous de cet homme. Il avait enlevé son stylo. Et son stylo, il avait tué l'un de ses fils. Et quand il avait pris son doigt, c'est avec ça qu'il avait signé. Dans la vie, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Tu vois quelqu'un. Tu peux applaudir pour diable un jour. C'est pourquoi on a quelque part. Il faut jamais applaudir pour les gens parce que les diables de foi ils s'incarnent lui-même dans des hommes. Quand tu applaudis pour quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils applaudissent pour les autres et puis ils prient. Les choses n'évoluent pas dans leur vie. Ok, avant de terminer ce chapitre, je vais ouvrir une parenthèse. Je veux dire sur ça parce que à Kolozi que cela s'est passé. Vers les années 92, il y avait une autorité qui avait quitté Kolozi pour Lubumbashi. Si tu n'arrives pas à Kolozi, on va brûler les usines de Kamoto. Je n'ai pas oublié ce jour. C'était vraiment un jour maudit. Il avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici. Nous avons pris les gardes civils. On les a trempés dans des fétiches. On était à 30, demain nous allons partir à Kolozi. Et que chacun aille consulter ses esprits. J'étais allé dans les cimetières des sapins où j'avais été 20 esprits. Amen. Amen. Les 20 esprits que j'avais pris, ils devaient m'aider seulement moi. Alors le lendemain quand on devait sortir, on était bombé. Quand on marchait là-bas, c'est le diable qui était avec nous. C'est pourquoi muntu la napendaka vintu bya bantu eh shiba huyu mine mwevitaka muntu avile msau ni sataniste ya shia kwa na Mungu karibu. Alors si quelqu'un aime les parties, il aime des choses des gens, alors j'évite la personne parce que il n'est pas vraiment converti. Tunafika pa back pa Lualaba. Nous sommes arrivés à Lualaba. Tunaona bantu bana toka mu birima beko saba monstre beko nafika beko ni tunu
yako na hiyo harufu ya mtu. Alors on voyait des gens kama nakununka anasema na kabila kwa sababu uko fulani pita unapita. On voyait des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs et quand ils sentent seulement ton odeur, ils disent tu es de telle tribu, tu peux passer. Ça kufika humu tunakuta Mungu ni moto. On avait senti qu'il y avait le feu à Kolwezi. Mais na mina chauffeur ule tulikuwa ni moto ka tuanza kufanya ratissage tule nyamu manyumba abantu tuanza kutafuta nini makuta. Et moi et le chauffeur qu'on avait, on faisait le ratissage. Moi, je suivais l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens. Moi, je n'attaquais pas les gens souvent. J'étais entré dans une maison. Parce que dans l'année 92, je ne serais pas vraiment identifié cette maison. J'ai senti que la maison était déjà pourrie. Mais dans cette maison, il y avait tout. Musala manger qu'on a papa moi chaque vimba ntumbo na bibi yake bashaku baua. Et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman qui et c'est l'odeur qu'on sentait. Ça mukuta futa tafuta mabintu kufungula chambre ngine nakuta tu ba jeune fille tous deux comme ka hivi kengine ka hivi. J'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre. Tu mukona tu na tetemeka paka hivi. Et les enfants là-bas tremblotaient. Ça moya iko natoka musite mina saba bantu kaba nafika bataua ba batoto tona babeba tunebeka mu motoka sa twende nabo Lubumbashi. Il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous, eux c'était pour tuer. Quand ils arrivaient, ils devaient tuer les enfants là-bas. C'est comme ça qu'on avait pris ces enfants, les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à Lubumbashi. Ufika pa back. Au niveau de loi là-bas, on nous avait arrêtés. Nous sentons l'odeur des insectes. Alors comme j'avais pitié de ces enfants, je me suis blessé au doigt, j'ai fait un symbole kabbalistique. Mes 20 démons que j'avais pris sont sortis pour combattre les autres. Ils croyaient qu'ils combattaient avec les gens, mais sans avec les démons, et nous on était partis. Vous savez, la mort, ce n'est que Dieu qui signe. Si Dieu, tu ne vas pas mourir, dit, C'est comme ça que dans la vie, on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir. C'est seulement que si ta pensée va à ces choses là-bas, c'est comme ça que tu verras quelque chose. Mais si tu oublies ça, rien ne va se passer. Pa poste bale batoto njo bane dire trouver bar kwacha ko perdre connaissance aka kamoya kana sema papa mimi ni peleke kwetu ni mubeleri kule mire ndaka ni kwa sangaji mu vacances uyu mwingine mishi muyue yeni wa kule bali waka bazazi yake njo na yana kimbilia kwetu mishi muyue tunaenda kurudisha ile mtoto kwa hapo. Au niveau de la poste, c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés lundi. Moi je reste au Belair, l'autre je ne connais pas. Je suis allé amener l'enfant là-bas chez lui à la maison. Où est-ce que je peux aller avec cet enfant? J'avais laissé cet enfant chez nous à la maison. Ton nom c'est comment? Je m'appelle Sarah. Cet enfant est déjà chez elle, il a deux enfants. Sasa famia babu wanake banijulizaka nilimuzalaka na miaka ngapi mimi njo anaitaka papa mimi njo babake mamangu ni nkambo acha kuingia mkizazi hii ma historia yote ashibiwa hata kubiua nishakwambia bibi yangu asema sikutoneshaka huyu mtoto mambo ya mubaya ntoka kweli kuteshaka huyu ni kado Mungu alinipaka huyu. Alors même l'enfant là-bas ne connaît même pas ce qui s'était passé. Même les gens se posent des questions, comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a? Et même elle m'appelle papa et mes parents, des grands-parents. Et j'ai même dit à ma femme, ne dis pas à cet enfant ce qui s'était passé. Le jour où tu le feras, c'est le jour qu'il y aura divorce entre toi et moi. Parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Mon vacances batoto wangu banendaka na kwake bwana muita dasara ni dadabu batoto baiwake kintu ile nishakwambia ni secret yangu na bibi. Njule mtoto shikwa tayoka mambo ya vile. Bitamuf anaweza atakufua. Alors même mes enfants pendant les vacances, ils vont chez leur grande sœur en disant que c'est notre grande sœur Dasara. Je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles, mais le jour où elle apprendra, elle peut même mourir. C'est pourquoi Shindani à Yesu. C'est comme ça, nous en Jésus. Nous sommes tels. Dieu nous a tous déjà mis dans son sang. Alors si quelqu'un me pose la question de savoir vous êtes de quelle tribu, moi je me dis il est très loin de la réalité. Il n'est pas encore chrétien. Il faut l'éviter. Amen. Amen.
Tous les filles au Lubumbashi, quoi que vous voulez, vous voulez. Elle se trouve à Lubumbashi dans un mariage. Si je pouvais laisser cet enfant là-bas, je devais bien ou mal faire. Il ne faut jamais souhaiter de telles choses. Toi, peut-être, tu n'avais pas vu ça. C'est pourquoi c'est comme ça que quand tu fais tes prières, dois aussi prier pour le pays. Nous remettons ces pays entre tes sentiments. Si le pays se trouve dans les mains de l'Éternel, personne ne pourra aller l'arracher. Ah, tu dois prier d'abord pour Kolwezi là où toi tu es. Ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique. Et l'un d'entre eux avait ce stylo. Il disait, c'est avec ce stylo que nous nous réjouissons chez nous à la maison. Alors il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle, ce n'est qu'une formalité, mais le pourcentage que j'aurai, le voilà. Il y avait d'autres trois garçons. Ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches. Ils sont venus me chercher. On a fait 2 ans en train de présenter l'examen d'état, mais on ne réussissait toujours pas. Mais cette fois-ci, je suis comme une dame ya muntu. Tuku siri tunaweza mais mambo yetu paka tupate diplôme. Pour cette année, nous sommes prêts à tout faire, même si le sang doit couler. On est prêt à faire. Nous voulons seulement avoir nos diplômes. Non, Romu baya mwanadamu. Uko taranza kufunda na akili le Mungu alimupa ya bule, mais anafika kumwisho anaanza kutafuta bintu bingine. Vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme. Tout ce temps, il étudie avec son intelligence. À la fin, il veut maintenant être dans le surnaturel. Dans les choses de Dieu. Celui qui a beaucoup souffert dans les choses de Dieu. Même dans la vie des chrétiens, tu peux beaucoup prier, tu as beaucoup souffert. Au moment où tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier, il y a un esprit qui te dit, maintenant bon, tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi. Tu dois comprendre, c'est l'esprit du Satan qui est placé en toi afin que tu puisses te dérouter du chemin, afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton Dieu. Ah bon? Toi, ça veut dire à un moment donné là, quand il y a de mauvaises choses qui viennent de votre esprit, dans votre pensée, ah faut abandonner le chemin, faut abandonner Dieu et tout dans le monde, ce sont les démons qui font ça. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a une bénédiction immense qui arrive, c'est pourquoi ils veulent parler à vos, chuchoter à vos oreilles. Faites attention mes frères et soeurs, faites attention. Vous allez voir ce que les enfants vont faire par la suite. Vous allez voir. Ah hein. Écoutons encore ce frère, je suis là, on se là. Banakuwa kunifuata shiku katalake, mina toka, mina enda kusen Cyprien, tunasumburia na ule rafiki yangu abe, ananipacha maformili yote ya kubafanishi. Je n'avais pas refusé, je suis allé à l'église, j'ai causé avec mon ami, là-bas, il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas. Mina baita na bauliza, sa musha kubambaka polao mumaisha enu. J'ai appelé ses enfants là-bas, je leur ai posé la question, vous avez déjà touché au fétiche dans votre vie? Bengine banechika, bengine banasatu ya bambaka lao. D'autres ont accepté, d'autres ont dit non. Alors allez m'acheter des stylos qui sont neufs. Quand vous allez acheter, qu'on n'essaye pas d'écrire avec ces stylos, amenez ça seulement comme ça. Banaleta mabik, tunaingia mu invocation. Mina ita monde de cimetière. Ils ont amené leur stylo, nous sommes entrés en invocation, j'ai appelé le monde des cimetières. C'est un numéro. Je ne donne jamais ce numéro. Alors c'est comme ça que je n'ai pas... Alors, c'est pourquoi je l'ai taqué le numéro. C'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro. Parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont ensorcelés. Tu vas donner ce numéro, il va mettre ça dans son téléphone. Et il va essayer. Si ça passe, même si tu coupais, eux après la nuit, ils vont t'appeler. Même si tu étais ton téléphone, ils viendront comme ça en chair. Et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé. Même diable est mounier qu'on a numéro et qu'il a téléphone. Même le diable a son numéro de téléphone. C'est un numéro qu'il avait il y a très longtemps. James Bond. Ah, dans les films de James Bond, il y avait ce numéro.
Na musicien moi congolais chaque imbaga mwimbo wake moi amour scolaire alitaka numéro fashi moi hivi. Et même un musicien congolais il avait une chanson amour scolaire, il avait cité ce numéro quelque part. Banauza mabiki le banaingia nayo tunaanza prière tunaita monde de cimetière bana tupatia réponse. Ils ont acheté leur stylo, on était entré en prière, on a invoqué alors nous a donné une réponse. Mina bambia mwende ku cimetière ya sapin mwangare maiti le barijika leo au le barijika ta jana njoo muntu mubulongo anafaka 3 jours njoo anapasuka na jidecompose mwangare le barijika wa leo muweke biki mu mkono ya droite kila muntu na wake batafana ayo 3 jours manake bonjo bata presenter pa place yenu 4e jour mutenda ku récupérer le mabiki mutakuya hapa kila muntu ataona pourcentage ya Kenya atapata. Alors j'ai dit à ces enfants là-bas, allez au cimetière, voyez les personnes qu'on a enterrées aujourd'hui, soit hier. Vous lui mettez vos stylos là-bas, chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans le main de ses morts là-bas. Et après 3 jours, le 4e jour, vous allez récupérer ces stylos là-bas parce que c'est eux qui vont présenter les examens d'état à votre place. Et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages que vous aurez. Batoto barikuwa na roho nguvu na wewe ni dawa ya kubamba muki group vile barikuwa batroa huyo kunespere huyu anespere huyu banatoka minui banenda musape bana deterre maiti bana weka mabik bana ilarisha tena. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont allés au cimetière, ils ont fait ce que je leur demandais de faire. 4e jour. Le 4e jour. Mina bambia sema mwendeni mka ile 3 jours tunafanya tukwanze kuri atukwanze kunwa tulikuwa mu mafungu. Le 4e jour na batosha mina sema mwende sasa kila mtu abebe biki yake akwe nayo hapa mutapata ma resultat. Pendant les 3 jours on ne mangeait pas, on était en jeûne. Le 4e jour j'ai libéré ces enfants qu'ils aillent chercher maintenant leur stylo afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire. Banenda musapin 1h du matin. À 1h du matin, ils sont au cimetière. Bananza ku déterrer le mamaïti, pas ku tosha ma bik, bale bafu banashituka, banababamba ku mikono. Alors, sasa batote nakuwa ni mbio, bananza kufukuzana na bale bafu. Sasa abaone tena cimetière, bananza kuna bego mupori, banyama ba makari bego ne bafukuza. Alors, arrivé au moment de retirer leur stylo, ces morts là-bas se sont réveillés. Et ils ont commencé à faire un combat, et après, les enfants étaient en train de courir. Et les morts là-bas étaient derrière eux. Mais pendant ce temps, ils n'étaient plus dans le cimetière. C'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient. Pale pa cimetière a sapin Lubumbashi à l'époque, par quoi garnison moi à DSP. Bego na shikia makelele ya bantu, mais barifikaka mu cimetière à baone. Bana bageuza, bego nona sa ni pori munene banyama bego ne bafukuza. Alors, il y avait un groupe de DSP aux côtés du cimetière, mais ils entendaient des bruits. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne voyaient pas parce que c'était une brousse et ils sentaient les bruits des animaux féroces qui les pourchassaient. 3h du matin. Moi, j'ai regardé seulement ma montre, 3h du matin. Et puis, mon ayoua, wakati am examen d'état, ma église est réveillée, il n'a pas de finaliste. Et pendant les examens d'état, les églises de réveil prient beaucoup pour les finalistes. Et pendant ce temps, il y avait un garçon où ses parents étaient dans la prière. C'était par la chance du pasteur. C'est comme ça que vous devez aimer les serviteurs de Dieu. Je vous disais que c'est grâce à Dieu. Alors c'est grâce à ces pasteurs là parce que pendant qu'ils étaient dans la prière, il avait changé le sujet de la prière en disant tout celui qui a un enfant qui doit présenter l'examen d'état, qui passe devant et citer le nom de son enfant afin que je prie pour lui. Et la maman là-bas était la première à citer le nom de son enfant, Chibang. Et le pasteur avait commencé à prier. Et quand il priait, et il y a un passage de... Alors, au moment où le pasteur priait, comme ça, il y a un passage de la Bible qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est comme ça que l'enfant là-bas a senti comme il y avait un pouvoir qu'il avait saisi et l'a amené. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans les cimetières et il avait quitté les cimetières. 5h du matin, na mustukia muntu ku mulango wangu yeye anapika ku mulango macho isha kugeuka. Unaona muntu na hii macho ya binadamu. Kama unaona bintu bya mumonde mystique macho yako haitakuwa tena bien. Arifanyaka 30 minutes njoo na reprendre njoo anaanza kunisplique mambo ilipita msimetira anesha anakimbia anaenda kwabo.
kufika kwabo hakuna mtu atamwe njoko bafuata kwa eglise bobe kuna toka yeye na yego naingi mtu bali toka mkombea seko mumaki kumbi alikuwa msimetiere. Alors vers 5h je l'ai vu chez moi, il est entré, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé et puis il est parti chez lui. Il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison, il est parti à l'église, c'est là qu'il a vu ses parents. Les parents croyaient que l'enfant était au maquis mais il venait du cimetière. Bati alikuwa sage kuingisha bazazi yake paka mumisa mule na pasteur anaanza kuexpliquer mambo yote bananza deliverance yake. Heureusement que l'enfant était sage dans l'église, il a expliqué au pasteur et à ses parents. Kama pasteur akusema kile mambo ule garçon alipashaka kufa. Et si le pasteur n'avait pas dit ce problème là-bas, l'enfant devait mourir. Tuanze kuombaka na direction ya mtu na mtumishi kama na moderer na sasa tombe kifulani tombe paka kile shebote. Hapana, kama tuko nafaa kuomba spirituel wako naomba ndoa Mungu nisaidie ule malaika wa ndoa atakao kukutele mvita tuko na kuomba na taleta mondo. Alors c'est comme ça que quand un modérateur donne un sujet de prière, nous devons prier selon ce sujet là-bas. Si c'est un sujet de combat, prie seulement comme ça, ne demande pas le mariage. Si l'ordre de mariage descendait avec les mariages et il trouvait la guerre là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Amen. Les deux autres, même jusqu'à aujourd'hui, portaient disparu. Au monde des cimetières, ma famille a été tafoutée na choka na leo, il n'y a pas de secret, il y a le garçon chibangu. Et de leur famille ont beaucoup cherché, ils n'ont pas trouvé leurs enfants. C'est un secret entre moi et Chibang. Les garçons exétaient n'ya représentant qui peut à chaque nichuki à capenda qui attaque on y sentir mon balaval. Il n'avait même pas nichuki à samoa boulenju shikubaita que ni bobe ni enjo barikuyaka on y fouette. Mina regretta que samoa tapa la nichuki. Cet enfant n'aimait même pas, même en cours de route n'aimait même pas me voir. Moi je suis étonné pourquoi il est fâché contre moi. Et pourtant c'est lui-même qui était venu me chercher. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est fâché contre moi. Fatana na wakati mimi napenda kuarrêter leo hapa. Par rapport au temps, je vais m'arrêter par ici. Ile mashapitre ngine nilisema ile nilita banduku ba kambiste ile tuteona mpartie ya kesho. Alors l'autre chapitre concernant kambiste et les autres, nous allons parler ça le lendemain. Pourquoi mimi baita manake kuku mambo moya nilifanishaka kambiste mwa kulubumbashi. Ile kambiste alijulikana kasana. Alipataka franga mingi na aranza kukongoshaka ile makuta benzake kuna bapachie. Bale bota alikuwa anapachia kile mfranga baranza kuchomba na bana bakia bafungwa balote. Ile michezo hata leo kuku ile malawa bengine beko nayo. Atatosha kapitana na kushikilia buruma bimi na sio unashite beba, unabeba unatumika nayo anakufunga. Sasa unakuwa esclave wake kazi yote utakao nafanyaka maana yake benefisi ni yeye kwenye pataka. Alors il y a un cambiste chez qui à qui j'avais donné des fétiches à Lubumbashi. Il avait fait jusque qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il a beaucoup d'argent. Il donnait une partie de son argent à ses amis afin qu'ils travaillent et puis rembourser après. Mais le but c'était de bloquer leurs affaires afin qu'ils deviennent ses esclaves. C'est pourquoi Léo Minasema touche, mamie est quoi pas. C'est comme ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici. Nous voulons entrer en prière. Mais makutano ya ba mama jeudi mushisab. N'oubliez pas la rencontre de maman le jeudi. Tanza kwanza na 10h tunaisha 12h. Nous allons commencer à 9h, 9h. 9h à 12h. Nous allons commencer à 9h pour terminer à 12h. Ana paka ba mama ba mu new life mu invité kuna ba mama ba inje. Ce n'est pas seulement les mamans de new life, même les mamans qui sont dans d'autres églises. Ile message itamusaidia anaamini tunabakia naye mkanisa huko. Et ce message là-bas va beaucoup l'aider, elle va se convertir et va rester dans cette église. Mutayua shetani anatumika kaje na makuple. Et vous allez savoir comment est-ce que le diable travaille avec le couple. Comment se faire enlever dans les mains des maris et femmes de nuit. Amen. Amen. Itakuwa ni lazima sana ba mama bote ba shikose ile makutano. Ça sera vraiment très important que toutes les mamans ne puissent pas rater à cette rencontre. Manaki à partir ya jeudi tunaanza kwenda ni kuatterrissage sasa. À partir de jeudi nous allons commencer maintenant à atterrir. Tutaanza kuna mambo ya munene. Nous allons commencer à voir maintenant des clients. Na dimanche njo mutayua mimi fikaka mkuamini je. Et c'est le dimanche que vous saurez comment je suis venu à devenir chrétien. À partir ya jeudi na vendredi takonesha ni ma exploit ile mimi fana shetani namna shetani alinitumikisha mu monde mu strong na namna tulikuwa nafanya ma sacrifice humaine. Alors jeudi à vendredi, je vais t'expliquer comment est-ce que le diable m'a exploité dans le monde d'Amstrong et comment est-ce qu'on est en train de faire des sacrifices. Tu connais quelque chose de moi jeudi, na vendredi, peut-être na samedi, mounye tout amour n'a pas quelque. Je vais te parler demain du démon de jeudi, vendredi, peut-être même celui de samedi. On le verra toujours demain. Paule démon à jeudi, talon babale botte va répéter mon mouvement à Bukiro na Buskut Bashirate. Coucou maman, moi, il t'a intéressé ça. Alors, sur le demande de jeudi, tout celui qui a déjà été scout au Kiro,
je le demanderai de ne pas rater parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Sur la carte de Kiro, il y a une prière au Saint-Enfant Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Londres. C'est Jésus de Londres. Il est prière, il est prière, comme on est dans la préparation à promesse, soit on est dans le grand camp, on va faire quelle prière. S'ils sont en train de parler leur promesse ou ils sont dans leur camp, ils faisaient cette prière. On les appelle les Kayuki. On fait la promesse à Noël. Ils font la promesse pendant le temps de la Noël. Ce n'est pas une prière, ils sont en train d'invoquer cet esprit là-bas. Et nous allons aussi voir pour les louveteaux. Parce que le nom de ce démon là-bas, ce sont des totems qu'on avait donné aux scouts et aux louveteaux. Alors le monsieur là-bas qui avait commencé ce mouvement de scoutisme, c'était Bandel Powell. C'était quelqu'un qui avait bien commencé, mais après, il avait aussi introduit des choses dans ces mouvements là-bas. Nous voulons maintenant prier. Lord, message. C'est comme ça que nous arrêtons là avec le message. Que mon Dieu vous bénisse. Mungwango amibarik. Waouh! Waouh! Mais c'est incroyable! Quoi? Un tel témoignage? Ça s'appelle un témoignage puissant. Et c'est une nuance bonne que tout se passe. Mais what? Est-ce que vous avez entendu? Ce témoignage parlait de tout. Satan, pour la prison des satanistes. La prison de, ou encore la prison de la sorcellerie, ça parlait de satanisme, ça parlait de rituels, ça parlait de tout et de tout. Et c'est pas fini. Vous avez entendu ce qu'il a dit à la fin? Il va nous rapporter des choses, comment il faisait des sacrifices humains. Ça veut dire que le prochain témoignage qui va venir, ça sera plus puissant que puissant que puissant. Ça veut dire que ce jeudi prochain là, soyez prêts. Soyez prêts! Parce que cette vidéo qui va venir, le jeudi. Ah oh là 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 là. Vous allez sauter, sauter un peu. Que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre, que Dieu nous garde. Contre tous ces sorciers ou encore ces satanistes qui nous entourent. Priez, dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Merci de me délivrer, s'il te plaît. Délivre-moi. Restaure ma vie, change ma vie, je veux marcher selon ta volonté. Protège-moi aujourd'hui, aide-moi Seigneur de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends. Mets-toi au devant de mes activités et prends le contrôle de ma vie une bonne fois pour toutes. Amen. Dieu va vous aider. Maintenant vous-même faites des efforts. Préparez-vous pour ce témoignage puissant qui arrive le jeudi prochain. Regardez même le témoignage très puissant que nous avons traité auparavant. Et vous en saurez plus. Et des choses qui vont vraiment vous dépasser, vous étonner. Waouh, ça va être extraordinaire. Je suis même chaud même pour ce jeudi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et let's go. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Waouh. Merci à tous ceux qui nous soutiennent par les dons. De ce, c'est toutes les informations qu'il vous faut. Ça peut nous aider pour le travail du futur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, tout simplement. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ maintenant. C'est le moment. Ne dites pas à demain ou après-demain. C'est le moment. Préparez-vous. Nous sortons dans une autre dimension.